trouver dans mes sources, donc Facebook, YouTube, vous Machin. trouvez qui est dans le changement. Hein. Donc, c'est dans ma question spécifique à base de d'affaires, pas hésiter hein, à travers la page, nous capables de communiquer. Causer. Donc, merci encore une fois pour cette présence. Donc, tu nous proposes un petit peu très important pour l'entrepreneuriat, c'est la créativité. La créativité et l'innovation. Parce que normalement, par rapport à l'expérience qui nous est, non, quand nous joignons un entrepreneur, surtout dans le contexte qui nous était, nous réalisons qu'il y a beaucoup d'innovation. Hein. Il y en a beaucoup de monde qui ont envie de faire business, mais ce business-là, c'est parce qu'ils ont appris coiffure, dans le ministère la femme, de t'envie faire coiffure, de t'envie faire pickles, de t'envie faire sac, etc., etc. Donc, nous restons dans l'entrepreneuriat, comme on appelle ça, l'entrepreneuriat de nécessité. Hein? C'est-à-dire, nous pas think outside de ce que nous connaissons. Et ça, n'est pas bon. Hein? N'est pas bon pour l'économie, n'est pas bon pour nous aussi. Ce qui est arrivé, il crée beaucoup de failures dans l'entrepreneuriat. Hein? On a beaucoup de monde qui n'a pas réussi à faire un business parce que la compétition est trop forte dans ce secteur-là. Et qu'on a moins de failures, il y a un negative growth dans l'économie. Hein? Donc, mon dire de fois là, nous demandons citizens qui bien comprend que GDP dépend beaucoup de l'ONU, croissance économique dépend beaucoup de l'ONU, bien-être nous ban mauricien dépend beaucoup de l'entrepreneur mauricien. Donc c'est une responsabilité qui nous prend quand nous venons entrepreneur. Hein. Et sa responsabilité-là, définitivement, est nous sommes capables de prendre lien avec tous les sérieux possibles. Donc, j'espère que je passe une bonne semaine. Tout correct? Trop grossi depuis que nous nous joignons. N'a pas dû demander grossi. Bien sûr. Jonathan, qui peut être sûr? Vous pouvez trouver tout, hein? Yves. Valérie, Zoya, j'espère que tout correct. Hein? En passant, ceux qui pensent que je nous passe Facebook, n'est pas compulsory, mais si vous avez envie de joindre, un man camarade comme nous capable de mettre un sale link là. Il y a beaucoup de développement là-bas, il y a beaucoup de coopération qui peut arriver déjà. Là, il y a un petit peu fuzzy, mais once to correct, nous pouvons commencer à structurer la page. Hein. Nous pouvons commencer à dire qu'il y a un sous-comité qui vient créer par rapport à ce que vous avez envie de rentrer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont artisanaux. Nous avons créé un petit groupe artisanat, nous avons créé un petit groupe menuiserie, nous avons créé un petit groupe leather. Nous avons dit comment former en nous. Il y a encore un petit groupe qui a envie de faire business aussi. Hein. Parmi nous-mêmes, nous avons beaucoup de compétences, nous avons beaucoup d'expérience qui nous capable et de nous mettre prochain là-dedans. Hein. Merci, Emma. Hein. Au contraire, nous avons besoin d'un admin depuis ce groupe-là qui nous paye. Encore une fois, s'il y a un petit souci technique, nous sommes capables de capable connaître que nous avons besoin de répondre par répondre. Un petit chat ou bien un petit signe avec l'autre la main. Pour l'instant, tout correct, je m'étonne bien là. Hein. T'es si correct? Décidément, oui, monsieur. Bons enfants. Donc, ce qui peut arriver, c'est aussi nous proposer la créativité et l'innovation. Not easy to handle on phone. Oui, bien sûr, Véronique. C'est pas évident avec les yeux qu'on a derrière. Et, on peut admettre des trois dimensions toujours. Hein. Il y en a des trois dimensions qui peuvent deviner, non? Able to enter. Oh, on ne peut plus 40 sur PC. Donc, qu'est-ce que tu penses, hein? Est-ce que la créativité et l'innovation est pour autant pour un entrepreneur? Comment on pourrait tu vois, mon gars, comment faire un virage? Vous pensez, monsieur, à ce qui permet de comment on là, hein? Est-ce qu'il est important, hein? Très important. Nous bien évoluer, exactement. Quand une cause créativité, que ça vient de la tête, normalement. Qu'est-ce que ça fait à ça? Essentiel, donc. Something new. Ouais, créer une affaire nouveau, amener un nouveau concept, développer une idée, mais ce pays peut participer à uniqueness, originalité, etc. Est-ce qu'ils ont pensé, nous créatifs, nous, en tant que Mauriciens? Nous créatifs? Nous super créatifs, bien sûr. Ouais. Mon content que nous patriotes, hein, moi, bien content que nous patriotes. Et mon content que nous causer en tant que Mauriciens. Ça, c'est une bonne affaire, ça. Donc, nous mettons un coup. Qui fait rien pour autant? Qui fait nous besoin créatif et surtout plus créatif que tous les autres? Oui, gros poids, exactement, Emma. Le monsieur est pote et malheureusement, il est petit maintenant. Qui fait nous besoin
Vigne créatif et surtout un entrepreneur, comment nous casser avec créativité comme un avantage compétitif? Comment nous casser avec créativité et innovation pour nous capables de développer nous et différencier nous des nouveaux compétiteurs? Normalement, nous tous les entrepreneurs, nous tous les zen, nous comptons rêver, pas vrai? Nous comptons dream. C'est même qui nous l'a offert. Hein? On veut si nous raconter aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, nous prenons une décision et nous trouvons une opportunité de paraître devant nous. Et mon cas, beaucoup dans les autres. Dans notre pays, je n'ai pas gagné une opportunité pareille. Je vais suivre un coup de la Confeges, donc c'est une confédération de ban ministère Jeunes Expo africain, francophone. C'est un gros network, ça. C'est pourquoi nous ne créons pas ce qui fait, parce qu'il ne faut pas aller après coup, là, du tout, ça peut disparaître dans ce coin. Hein. Après ça, coup, là, nous sommes mis à un groupe camarade, que demain, nous sommes capables de communiquer avec une francophonie, qui connaît, hein, tout seul, déco, on n'est pas faire de décoration seul. Peut-être, en tout cas, c'est une affaire africaine. Ben, qui est dans l'Afrique, pourquoi pas faire des affaires à Maurice. On a énormément d'anciens élèves qui avaient Prinan là. Il y a énormément d'élèves à l'école Prinan, qui a acheté de carité dans l'Afrique. Il y a une famille qui habite là-bas. Quand ils peuvent processer, ils peuvent commencer même à exporter ça, qui est demande des formes de zone. Donc, il y a beaucoup de ressources dans l'Afrique. Et nous, Mauriciens, malheureusement, nous ne pas connaissons pas, premièrement. Et si nous connaissons, nous quoi, il n'y a pas pour nous. Hein? Par contre, sinon, le chinois, l'américain, le français, tout le temps dans l'Afrique, il peut exploiter toutes les ressources qu'il y a, hein, pas oublier, même l'américain. Mais le mauricien qui est africain, comme tout africain, il n'est pas capable d'exploiter ça. Donc, il y a un rêve d'ailleurs tout ça, business qui nous peut dire là, et aujourd'hui, nous mettons là dans un système de forme pour nous capables de faire une business efficient et productif. Nous commençons par un petit exercice, hein, on fait un petit exercice. Nous nous un peu, je ne trouve ça un peu comment. C'était ici, on a un peu comment c'était ici. Prakash, Roini, Roini, Benéen, hein, midi, je vais être en classe ouverte. Bon élève, ça. Non, c'est Benéen, Narcisé, etc. Lax, on a un peu pareil. Mais oui, normal. Allez, nous faisons un petit devoir. On a 10 minutes, je demande 5 idées. Qu'est-ce que je suis capable de faire avec ça pour lui? Je décris les danseuses, hein, je décris les dans. Je t'ai créé dans, comment appeler? Dans, Chat. bon, exactement, ça, oui, vous pouvez faire 3 millions d'affaires en même temps. C'est pourquoi vous pouvez. Allez, right. On va donner 10 minutes. Maintenant, c'est le temps. 10 minutes pour nous capables de gagner 5 idées. Salade, décoration pour events, confiture. Confiture de miel, piment confit, peu. Mets de bougeoir, confiture, décoration. Qui décoration, hein? Décoration à la table. Ça, madame, pour mettre moi des on met un peu à la table de décoration. Mets-tu la lumière dans floral, épices, pencil holder. Marsonger, used to drink. Smoothies, décoration avec jute, ouais. Mettre du sable coulé, faire haute éclat. Il y a un autiste pas mignon, m'a trouvé. Hein? Laurence Perret, Flessilois, pour là, bien, m'a trouvé. C'est dit, donne-nous une idée. Où? Réorganiser, faire décoration. Dodan, qui vous mettez dans la poule là? Qui vous fait avec ça pour là, plutôt? User's gloves, c'est dingue, moi. Yannick. Bon, ben là, je vous vois. Allez. Je vais mettre un message, hein. C'est pareil, se mettre acrylique là-dedans. Mettre un sec, Maurice, et vide acrylique là-dedans, moment. Mettre concret là-dedans, on peut vite un peu acrylique là-dedans. Intéressant, ça. Peinture sur les peaux. Et il en reste la même. Guide bien là. Hein? Pas une quinzaine d'immunes, bien 20 immunes de nous 5-5 l'idée, nous fait qu'aux environs. Fait que moi, nous gagnons 100 l'idée qui n'est créée là. Là-dedans, nous avons juste des idées là, qui est un petit peu différent. Qui fait ce quoi? Parce qu'un idée, nous avons fait un lit, comme on est mangé à nous. Un idée, nous sommes capables de craser vide là. Parce que ça, tout ça, dans les autres idées là, nous, on trouve pour là comme un container.
L'en placer dans un confituel là-dedans, une mettre crayon, une mettre du sable, une mettre insecte, une mettre la lumière, une mettre tout à fait, une ré-remplir qu'elle a des affaires qu'elle appelle confiture. Ça, c'est pas créativité. Parce qu'il nous pétouffe pour là comme un pot, donc créativité pour nous, c'est nous servir pour là comme un container qui met les autres affaires. Vous devez comprendre? Vous devez comprendre, bien sûr? Ça, ce n'est pas créativité. Et un individu, c'est un mosaïque, etc. Oui. Quelques idées, hein, qu'à part 3 ou 4. 98% l'idée qui nous gagne est normal, ça, hein, si vous faites ça dans n'importe quelle situation. Et 98% l'idée pour ça. Parce qu'il nous connaît qui appelle un peu. Créativité, ce n'est pas trop pour là comme un peu. Premièrement, quand nous commençons, je commence à réfléchir ici, hein, parce que ça, au fait, ça module là, c'est beaucoup la psychologie, ça, psychologie de l'entrepreneur. Comment nous réfléchissons? Au fait, quand nous pouvons réfléchir avec ça, pour là, on a beaucoup d'idées de venir. Mais c'est moi qui filtre l'idée là, nous disons que ça. Je ne vais pas créer des affaires bêtes là-bas. Laisse-moi créer des affaires qui qualité. Ça veut dire mon filtrer. Ça veut dire que moi, je vais dire ces affaires là, les plus bons dans tout. Donc, mon filtre est capable de dire l'idée, mon mettre une idée qui paraît plus qualité. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter là. Hein? Je ne peux pas vous dire moi une bête. Erreur. Si vous voulez être créatif, vous devez mettre quantité qui a une précédence localité. C'est-à-dire quantité l'idée, plus important que qualité l'idée. Parfois, l'idée là paraît bien bête, mais pas fait non rien. C'est quantité l'idée qui nous besoin mettre, en place qualité. Si elle réfléchit à l'exercice là, t'allais, quand j'ai un petit temps, je pourrais remarquer qu'ils ont filtré cette idée beaucoup, pour que je me dise, une ou deux idées qui paraît make sense. Un créatif qui pas make sense. C'est pourquoi, tout un tableau abstrait qui pas comprendre rien, des coups de pinceau, 25 000 roupies, vous avez qui n'est arrivé là, non? C'est parce que ben, dit, comprend autre qui peut dire aucune arrivée. Right? Nous aussi, pareil. C'est les affaires qui apprennent de autres, là, les mêmes affaires, ça. C'est moi qui dans différents domaines qui appellent le business. C'est qualité l'idée, il ne faut pas y venir un blocage pour quantité l'idée. Right? C'est la première leçon, là, nous avons quantité plus qualité. Deuxièmement, nous avons plus beaucoup d'idées possibles. Quand nous avons envie de faire un business, hein, moi, quand on est un business, si je prends l'exemple là-dedans, là, nous sommes capables de faire un coup. Par exemple, je connais une madame Prina, là, ils ont envie de faire un business. Ils sont dans le secteur, ils sont dans le secteur automobile, ils sont dans le secteur touristique, ils ont envie de faire un business. Mais ils faisaient écrire qui ont envie de faire. Donc, ils faisaient prendre un papier, un cahier, ils écrivent tous les jours qui l'idée peut gagner. Pas quoi, nous pouvons imaginer, hein, nous pouvons oublier. Hein? Nous avons une bonne mémoire, nos générations ont une bonne mémoire, dis-tu. Nous faisons écrire une idée là en termes de quantité dans les mêmes. Si nous faisons un business, nous avons fleuris. Nous avons envie de trouver une idée. Quand nous avons Instagram, nous avons ça, nous avons des clients, nous avons créé l'idée, là, il ne faut pas oublier. Quantité, plus important, qui? Bonjour Kimberly. Qui qualité l'idée. Right? Qui fait ça? Parce qu'il y a un documentaire qui m'a fait enfin, guetter. Malheureusement, nous n'avons pas qu'à jouer li, online. Il y a des raisons. Nous n'avons pas qu'un son. Deuxièmement, il peut bouffer tout nous, ben oui, nous avons un problème de connexion. C'est Where does good ideas come from? C'est un livre, ça. Je suis capable de Google l'italien. Ça, il est écrit par Andy Moon, Steven Johnson, pour expliquer comment l'idée est créée. Là-dedans, ma recherche, une fait, nous, plus nous gagnons l'idée, plus nous gagnons bon l'idée. C'est une affaire qui s'appelle filtering. Hein? C'est une méthode qui s'appelle, comment dire, filter, ça, comment dire, funnel. Quand nous gagnons beaucoup l'idée, et la bonne idée là, nous pouvons funnel it down, tout bonne idée qui met beaucoup plus, comment on dit, une value added, c'est-à-dire qui nous propose cause d'innovation en même temps. Ben, l'idée que nous pouvons créer dans le business, les besoins capables d'avoir une valeur. J'espère ne pas oublier le cours que nous causé avant l'opportunité. Quand nous voulons une opportunité, le centre de l'opportunité, c'est le client. Est-ce que le client a un need que nous pouvons répondre? Nous, l'idée, c'est pareil. Nous, l'idée, c'est de jamais l'opportunité. Pas oublier. Hein? Ça découle là, les associés, ça. Quand nous développons ça, l'idée-là, est-ce que ça, l'idée-là, peut résoudre ce problème, ce client potentiel? Donc, l'idée que nous pouvons gagner en termes de masse, nous sommes capables de filtrer les. Funnel, pour nous capables d'arriver à une idée qui vraiment amène valeur dans un business. Il ne faut pas nous juger, nous, dans l'idée. Nous avons tendance à un jugement. Vous connaissez, jugement, il y a beaucoup de monde, hein? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de rêves. Et nous-mêmes, nous avons un petit monde dans la tête qui compte en juger. Nous jugeons, nous jugeons, nous-mêmes. Puis nous jugeons, nous avons une choice, puis nous pouvons filtrer l'idée avant qu'il nous écrit dans nos papiers. C'est ce qui est arrivé là, quand j'ai fait un peu là. Et mon papa dit, ah, mais ce qui dit, mon pouce à moi, qui me fout, me bête, etc.
nous peut ziser. Nous besoin apprendre réfléchir, nous apprendre un peu qu'appelle réfléchir aujourd'hui. Hein? Nous tout pas dire hein, réfléchir. Pas veut dire nous pouvons dans un sens là, hein? Mais nous besoin réfléchir dans le sens que et une méthode de réflexion. Nous prendre ça. Réflexion c'est pas une affaire qui fait pas normal naturellement ça. Une façon d'apprendre ça. Nous posons un petit peu aujourd'hui. Il y a une affaire qui est difficile. Il y a des affaires qui sont difficiles, c'est même qui dit moins nous user au fait, hein? C'est parce qu'il nous pas réfléchir au fait. Faut pas parler des affaires mathématiques de toute la vie, quand un problème mathématique pour résoudre une équation pour résoudre, c'est là qu'ils ont réfléchi. Mais on dit ça bien rare qu'ils nous réfléchissent. Alors penser que moi j'ai besoin de trouver qu'ils nous pas réfléchi tout le jour. Nous penser nous n'avons l'idée vient dans la tête, mais nous pas une réflexion déjà sur mon idée. Surtout avec génération portable, TikTok, Facebook, hein, sur mon Instagram là. Nous disturberait même dans nos réflexions. Nous bien passifs. Hein? Si jamais je mets caméra on quand je quitte Facebook, je prouvais. Le moyen zombie, ça. Je fais clic, clic, je fais like, sans vraiment réfléchir. En fait, quand on a un problème dans nos business, ou quand on a un problème pour nous faire nos business, ça problème est créé dans certaines situations, dans certains contextes. Et pour nous capables de dépasser, redonner une solution à un contexte-là, nous sommes capables d'évoluer, nous marier à penser. Mon camarade Einstein, il dit nous ça. Gontran, il y a un sommeil. Enfin, non, il y a un petit joke qui est allé à la Gontran. Nous ne sommes pas capables de résoudre ce problème qui nous crée là, au même niveau pensée qui nous crée problème là. Je suis d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que nous sommes capables d'évoluer nos pensées. Vous connaissez, pour capable faire ça, c'est un travail sur soi. Ça, hein? Nous sommes capables dans le silence. Dans le silence qui nous gagne l'idée au fait. Le silence, ce n'est pas dire absent of sounds, ce n'est pas dire qu'on a une tapage autour de nous qui appelle silence. Le silence, c'est quand on a une façon de penser à l'intérieur de nous, la tête, que de peine à tapage. Parfois, on va te réaliser. Hein? Le tapage, le tapage, hein, de contraire du silence, c'est de nous la tête qui est là. Hein? Nous restons causés nous-mêmes, nous n'avons pas la voix qui cause nous-mêmes tout le long de la journée, nous pas réussir à réfléchir. Ben, des gens qui peuvent faire carême, on peut faire la prière, tant Dieu. Hein? Et les restes du monde qui a fait la prière. Alors, c'est Jésus qui n'est plus que 35 secondes. Ou bien, c'est l'esprit finir de la cuisine, finir rentrer qui belle mère, vous dire, moi, t'allais, comme on rentre travail. Quand je fais la prière, là, je suis à dire, parce que l'aide suprême que je te vois, là. Pas vrai, c'était ici. C'est moi, 35 secondes après, on est plus dans l'église, ou que de belle mère, on va regarder qu'il y a une fête au carré. C'est ça qui m'a fait des autres, là. La méditation aussi, pareil, hein. La méditation, du monde qui fait la méditation, que n'est pas qu'à tirer plus que 35 secondes, à même plus de 5 minutes, c'est difficile, ça. Nous, l'esprit commence à vagabonder. Nous, l'esprit ne fait pour ça. Pour nous capables de gagner une bonne idée, nous sommes capables d'intégrer le silence. Qu'est-ce que ça veut dire le silence? Ça veut dire que nous avons contrôlé nos pensées d'une façon qui devient productive. L'énergie de nos pensées, nous sommes capables d'être productifs. Et pas oublier les temps. L'idée, il prend les temps, ça, hein. Une idée de ne pas gagner de suite ça. Mon camarade Einstein découvre une équation à l'âge de 23 ans. 21 ans, 23 ans. Mais il commence à penser à cette équation-là à l'âge de 6 ans. Hein? Il ne prend pas 20 ans pour gagner une équation-là. Donc, il prend les temps, ça. Internet qui nous peut servir, on dit là. Et dans ce qu'on appelle HTTP. Hein? Quand on clique le web, il y a une autre page. Ça, M. Tim Berners-Lee, il prend 15 ans pour créer ça. Il prend une crise aujourd'hui, il l'éveille quand matin, lundi, il crée Internet. Il prend 15 ans. Donc, il y a l'idée qui prend. Au fait, l'idée, bon, l'idée prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mathieu, évidemment, il a laissé l'idée fermenter. Exactement, on appelle ça incubation. Quand l'idée là, vous avez vraiment fermenté pour lui donner un bon divin, comment tu peux dire. Pas oublier que c'est que Bandi Moun que j'ai de la confiance. L'idée que j'ai non, pas ta sec Bandi Moun que j'ai de la confiance. Je te 35, je te petit copain, je te maman, je te frère. Ban camarade qui a une confiance, que ça l'idée là que dimoun là. Laisse ban de man input là. Qui fait? Parce que quand je te pise un dimoun, puis je te cause, je peux trouver que. Parce que quand vous connaissez l'idée, vous pensez qu'il n'est pas fait. Mais quand dimoun peut causer l'idée là, il peut vraiment donner une autre façon de l'idée là. Surtout. Il ne faut pas nous rendre dans nos routines. Et là, moi, je peux te donner un peu. Et je te trouve comme un peu. Si j'ai envie créatif, je ne vais pas trouver comme un peu. Je ne vais pas trouver comme un matériau. Est-ce que ça bouteille là, mon cas crasé, mon fin d'affaires qui mettent de construction? Est-ce que mon cas service à côté transparent là, de ce matériau-là? Est-ce qu'il y a une fer à coup là, on a dit que je vais faire une lens avec ça? C'est comme une lens pour caméra.
Et dans le monde, c'est ce côté acoustique de la chose, qui a fait un instrument de musique. Au lieu de trouver comme un pot qui contient quelque chose, nous trouvons comme un matériau, nous trouvons comme un autre affaire qui nous capable de faire écrit. Nous ne pas trouvé comment était. Il paraît banal, c'est que je suis désolé. Je connais, je vais faire une recherche et je vais faire mon affaire avec mon copain de travail, le bon recherche, le bon entrepreneur. Bon entrepreneur qui n'a pas grandi, je trouve le business une façon que je mets un pot. Ça veut dire mon business, c'est vendre flair. Mon business, c'est vendre flair. Grand matin, lundi, jusqu'à dimanche, tantôt. Point la ligne. Il y a une innovation là-dedans. Il trouve ce business comme un pot là, il est capable de mettre 10 délais là-dedans, c'est un Dieu. Oh, mon vie est créatif, moi, si il y a des délais, je mets 10 délais, moi, je fais créativité. Au fait, ce n'est pas innovation. Hein. Oui et non, c'est exactement ça. Le capable n'est que mieux, je t'en, parce que sinon, nous pouvons entendre un petit bruit. Et vous verrez, on la classe. Vous êtes d'accord avec moi, bien sûr, là? Nous sommes capables de changer nos perspectives. Vous savez, vous pouvez visiter un film, The Gods Must Be Crazy, les dieux sont tombés sur la tête. Ce film-là, il y avait les belles online. Hein? Bon, est-ce que vous avez dit ce film-là? Non. Vous avez dit? Vous avez dit ce film-là? Bien longtemps, hein? Un vieux film. Hein? Au film aussi, ça commence une question, dis-moi. Et ce bushman-là, il reste dans une place avec, dans l'Afrique, et il y a une bouteille de coca qui est tombée là-bas. Oui, si, bien longtemps. Hein? Ouais, un film comique, ça. Mais oubliez côté comique là. Guettez comment je fais avec une bouteille de coca comme quelque chose un café. Parce que jamais je connais une bouteille de coca, je connais des ça. Al guettez comment créativité était, c'est quand nous pas connaît qui nous créatif. Quand nous trop connaît, nous pas créatif. Hein? Nous trop connaît, nous. Pour là, ça veut dire une pause à ça, alors nous trop connaît. Donc nous faisons retourner à l'enfance. Je ne guette d'autres bonnes enfants, moi j'espérais. Que moi, on a trois petits poupées que moi, hein? Trois petites filles. Prenez en passant, j'ai eu trois bébés hein, depuis qu'on se connaît. Oui. Et ça trois petits là quand je dis au Lily, un petit petit. Un petit petit là-dedans. Hein? Mais quand je jouais, je jouais avec d'autres Bobby, puis monte l'eau, couette, puis tombe de l'autre côté, un dinosaure, un bout de bois, Ken Bevin Sabze, moi, un dinosaure, un Spider-Man, d'autres créatifs terribles, ça, mes enfants. Mais nous aussi, nous petits enfants, moi, j'espérais à l'époque, non? Nous sommes créatifs, nous aussi. Mais nous oublions. Parce que malheureusement, nous dans l'école, hein? Nous dans l'école, nous avons une chère gratuité dans notre tête. C'est parce que quand nous partis connaît qu'il nous créatif. Quand nous trop connaît, nous trop connaît, nous déclarons connaît et nous venons plus créatif. Fais attention quand vous êtes dans un business. Rentre dans sa routine tendance, nous connaissons tous à faire de nos business, puis nous connaissons nos business, puis nous pas progresser. Et je dois un bon entrepreneur comme M. Sourat, comme M. Kalachan, M. Lille, etc. etc. Je trouvais que c'est un monde qui, jamais je dis aux autres connaissent. Jamais je te connais. Tout le temps, je t'en apprends. C'est pourquoi ce business est grandi aujourd'hui. Par contre, il y a un petit entrepreneur qui a besoin, un petit entrepreneur dans le sens en termes de chiffre d'affaires, etc. Quand vous avez un ici, là, il compte tout. Il n'a pas envie d'apprendre plus. Quand vous avez un petit zénès de travail, que tu sais, aussi il fait 3 ans, apprendre un ici, il dit, hé, ça zénès, ça va que non, rien. Il vient réapprendre tout. Au fait, il dit, non, il fait quoi, il compte tout. Donc, il ne va pas prendre de nouveautés, il ne va pas prendre que ça zénès, là. Donc, je te reste petit, là. Je te reste petit. Donc, parfois, la connaissance, c'est un barrière à la créativité et l'innovation. Donc, film-là, il y avait les belles online. Hein, je ne te parle pas, je finis mes là-bas. Mais que ça veut dire l'idée, hein? Si on a envie de définir l'idée, c'est quoi ça? Depuis que j'ai depuis venir grand matin, hein? C'est quoi l'idée? Stécie, c'est quoi l'idée pour vous? Stécie, j'ai un mot, même deux. Ah, c'est quoi l'idée pour vous? Je vais t'inclure dans les autres enfants. Lia, ou la même? Jean-Robert, thinking outside the box. L'idée, c'est thinking outside the box. Wendy? Monsieur Yannick, c'est quoi une idée, hein? Et Michel, ça. Jarvis, Aurélie, Jacques. Et thought, pas un problème, une solution, une méthode qui vient de la tête. Une méthode qui vient de la tête, ouais. Comme état d'une, ça va dans une méthode. Thinking and creative, oui, inspiration. Réalise quelque chose qu'on a en tête, réalisation, et want, change mind frame, ouais. Développer un concept. Sidi, c'est quoi une idée? Ryan, à la vie, à la mort. Ryan de lettres, c'est quoi une idée? Une suggestion? Un plan. Mademoiselle Migal, un petit baba à retrouver. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire une idée, mademoiselle? La pensée. The thought that can be.
A goal to meet a goal, a thought to meet a goal, un objectif, un rapport élaboré par la pensée, un rapport élaboré par la pensée. Allez, nous un coup. Au fait, une idée, c'est un résultat de la pensée. La pensée, c'est pas une idée, hein? La pensée, c'est un processus qui fait une idée sortie. Dans nous la tête, ne pas prendre de demande de faire ces techniques, hein, dans comment la tête fonctionnait. Et nous avons fait ce qu'on appelle la chimie là-dedans, la biochimie. Et nous avons des chimiques qui fonctionnent ensemble. En fait, c'était un point de mystère pour la science. Et ce processus-là, il crée une idée. Ça. Et l'humain, lui, il a fait ce qu'on appelle un cortex frontal de nous différents devant les autres animaux. Et ça qui permet nous qu'il y ait un futur. Donc, quand il y a un futur, l'idée, normalement, il projette nous dans le futur. Il projette nous dans le futur. Et nous, quand on fait des affaires dans le futur, c'est parce qu'il nous a pas créé bonne idée, nous a généré bonne idée. Parce qu'il a une notion de temps dans nous, la tête. Qui ça veut dire ça? Si nous comprenons qu'une idée, c'est un outcome, c'est un résultat de la pensée. Ça veut dire si nous n'avons pas de sens de nous penser, nous avons sens de l'idée. D'accord, d'accord. Si un gâteau crée, quand nous mélangeons un ingrédient, nous cuisons, il devient un gâteau. Si nous avons sens gâteau, nous sens façon de mettre l'ingrédient, face au mélange d'ingrédients, gâteau pour changer. N'est-ce pas? Vous connaissez même du monde, carrément, souris, je vais prendre un exemple un peu comique. Mais excuse-moi pour ça. Donc, pour gagner l'idée créative, si nous pensons créa si nous réussissons à penser comme un monde créatif, nous pouvons créer une idée créative. Nous pouvons créer une idée novatrice, pas vrai? C'est ça qui nous pourra guider. Comment nous devons réfléchir? Premièrement, nous devons commencer à connaître, nous, le fait que nous apprenons, nous avons un système d'éducation qui appelle. Qui nous fait nous apprendre factual thinking. Ça veut dire nous pensons à travers un fait. Comment nous connaissons les affaires vraies? C'est qu'on a un fait derrière. Comment nous connaissons la pluie peut tomber? C'est parce qu'il météo, il y a un radar, il y a nous, devenons un front de imbalance climatique. Tiens, Pévin côté nous, là, nous prenons la pluie. Donc, il y a un fax derrière qui nous dit oui, mais la pluie peut tomber. Nous pensons en termes de bande fax. Pareil que ma rapoulette, elle est là. Pour nous, c'est un fait, ça, c'est un container, ça. Nous pensons qu'il y a un... De fait qu'il y a un container, nous mettons tout à fait là-dedans. Dans la place de confiture, nous mettons tout à fait, on va dire, nous créatifs. Non. Nous sommes capables de penser comme des facteurs. Ça veut dire, pense en Dieu, avant de faire qui, comme un kick in thinking outside the box. Nous pensons qu'il n'y a pas une pousse, qui nous capable de faire. Lui. Nous pensons qu'il y a une autre affaire, qui nous capable de servir. Ça. Nous counterfactuels. Ça veut dire, il n'y a pas une pousse, il n'y a pas une affaire inventée pour God qui te Et là, nous pouvons réaliser comment une quitteuse nous sommes capables de faire sans la contrainte de que nous connaissons une quitteuse. Je nous achète ketchup. Ketchup sur bouteille, après, il dévient en bas là-haut, là. Vous connaissez? Vous êtes vieillé en bas là-haut. Mais combien de temps, dis-moi, tu utilises ce ketchup pour moi parce que vous tapez pour tirer. Après, j'ai une vieillie. Il dit, ketchup, bon, ben là, ketchup down, hein, là, parce que ketchup, il dit, ketchup down. Ou vieillé en bas là-haut, comme je disais, ketchup là coulé. Exactement, Bibi. Right? Mais, pourtant, il y a des effets banals, ça. Tu dis, mon type servi sur glace dans le deux, bah, ouais, et puis beaucoup de temps servi sur glace dans le deux. Hein? Il y a 10 ans, là, je n'invente un affaire qui paraît que même sur glace pour nettoyer une vide. Une vide. Une affaire qui nettoie vide, c'est un essuie glace, c'est le même principe, ça. Mais 10 ans, bien en retard, le système, là. C'est parce que tout le temps, nous, tout vide, bien nettoyé avec siphon, avec l'alcool. Pourtant, sur glace, si demande, nous disait tout le temps la vie, nous pas de réaliser. C'est parce que nous factualisons, nous pensons comment devant une factualité, nous. Nous devons sortir là-dedans pour nous capables vraiment vivre créatif. Pas oublier l'idée que nous pouvons gagner. Exactement, comme on dit, être employé aussi, c'est pareil, c'est un travail pour une compagnie. C'est un petit peu l'idée que nous avons, nous devons travailler pour une compagnie pour nous gagner la vie. Être entrepreneur, c'est une affaire qui bête, qui pas gagne casse. Ce n'est pas un niveau qui réussit. C'est pas l'idée qu'il a, du monde, il y a un niveau qui pense à l'idée qu'on a là. Bonne idée que nous pouvons gagner, vous ne pouvez pas nous croire qu'il y a une idée innovateur. Hein? Une telle idée paraît comme une filtre première phase, il y a beaucoup l'idée d'une faible idée qui est novatrice, mais qui est une idée qui paraît correcte. Là, nous devons guetter comment l'idée-là vient en innovation. Pour ça, nous pouvons guetter en même temps, nous pouvons aussi, parce que nous pouvons prendre les temps, en fait, nous devons peser en même temps. Hein. Normalement, il y a des mots en parallèle, des mots en séquence. Première affaire que nous devons de développer, enfin, troisième affaire que nous devons de développer, c'est nous devons développer une imagination. Nous devons être capables d'imaginer, nous devons pas payer pour dream. Vous voyez une personne qui est un film qui s'appelle Avatar. J'espère.
Imaginez ça, dit Mounlan, il imagine une civilisation sans religion, sans manger, sans culture, sans langage. C'est dans l'imagination du monde. Nous aussi, pareil. Nous sommes capables d'imaginer des affaires. Nous sommes capables d'assister un jour, nous disons, mais attends là. Yego, ça veut dire mon business, comment là. Hein? Moi, imagine mon business de 5 ans. Quand il vient un grand business. De que M. Isaacs, qui s'appelle une course Mammouth à Maurice, qui s'appelle Mammouth à l'Europe. De connais M. Isaacs, David Isaacs, Mammouth, tu connais Mammouth, magasin course. M. Isaacs, je ne vais pas te fournir. Hein? Quand tu joues un lit, tu as un petit magasin dans Belleville, enfin, relativement petit magasin dans Belleville. Quand tu peux causer un lit, tu peux dire à mon papa, vous connaissez, monsieur Oustad, nous prenons 25 magasins de Maurice. Il peut imaginer ça, lui. Quand il peut prendre un warehouse pour lui, il peut prendre un très grand warehouse. Mon papa dit, mais qu'il fait, vous pouvez prendre un grand warehouse pour moi. Il dit, moi, parce qu'il peut imaginer qu'on a 25 magasins. Lui. Même magasin, là, parce qu'il est en cours, là, tu peux imaginer. Lui. Et effectivement, tu en as 20 magasins à l'époque, hein, après. Donc, nous sommes capables d'imaginer ça. Et il y a une différence entre imagination et rêve. Hein. Nous avons gardé nos curiosités. De connaître. Être curieux, pas veut dire des affaires voisins, ça. Hein. Être curieux, veut dire apprendre tout le temps, fouiner dans Internet, guetter qui est là, qui paye là, pour nous capables de développer les sens de nos systèmes qui nous peuvent faire. Exactement, Emma. Et dans l'autre affaire qui est un autre malentendu, ou bien quoi, il y en a dans Dimoun, je pensais qui. Il y a deux façons de nous aider. Soit nous, on qui analyse, nous servons du côté left brain et right brain. Vous entendez ça? Qui nous cerveau fonctionne left et right. C'est-à-dire, moi, je suis plutôt left brain, toi, tu es plutôt créatif, tu es right brain. Mais c'est quoi livré, hein? D'après eux. C'est quoi livré? Ça veut dire, quand on fait quelque chose, vous servez juste left brain, là? Pour les droits que moi, vous avez. Je peux dire que c'est pareil, c'est passé d'un seul côté. D'après une recherche scientifique, faire, nous tous nous servons, nous, normal, pas vraiment. Nous servons, nous servons complètement ça. C'est ça, the whole brain theory. Qui fait une découverte, ça, c'est parce qu'il nous découvre qu'il y a 9 types d'intelligence. Au fait, il arrive 10e, hein. Mais là, 10e, il y a encore testé. Il y a 9 types d'intelligence. Nous connaissons, nous, que l'intelligence pour un monde, nous misons par IQ. Hein? Je connais, on entendait ça, quand on est intellectuel, qu'on appelle IQ. Ça, l'imagination, c'est un type d'intelligence. Mais beaucoup de temps, nous connaissons, nous croyons que l'intelligence, c'est misé par façon de faire mathématiques. Au fait, non. Monsieur Gottner, un mauvais camarade, d'ailleurs, peut dire qu'on a un camarade qui me fait apprendre ce qu'on a fait assez dans le détail. Hein? Il découvre qu'il y a 9 types d'intelligence. Je ne peux pas faire plus de recherches là. Hein. Par exemple, quand vous jouez au football, vous jouez. Ça, jouer au football, là, si vous donnez une équation mathématique pour résoudre, quoi, du coup, résoudre. Hein, Rodin 2, je ne sais pas qui l'a. Vous donnez une équation maths pour résoudre, du coup, résoudre ça ou quoi. Vous ne pouvez pas quoi, du coup, résoudre. Hein. Il n'est pas intéressé, si vous faire rien. Mais quand vous jouez au terrain, il y a l'intelligence de ce l'écho, pas vrai? Quand vous êtes un acrobate, un petit qui saute l'eau avant d'affaire, un acrobate, vous êtes l'écho même intelligent. C'est un type d'intelligence, on appelle ça bodily kinesthetics, c'est-à-dire qu'on a bougé intelligemment. Il y a des gens capables d'écrire un livre, il y a des gens capables de lire un poème. C'est des gens qui, linguistiquement, d'autres fois, dans notre cerveau, il y a une place que tu as l'intelligence linguistique, etc. etc. Donc, il ne faut pas nous oublier, là, nous tout là, nous sommes des génies, nous. C'est pas nous oublier. Parce que nous ne focus juste si nous faisons faire équation mathématique, nous avons un royal capip, ça veut dire l'intelligence. Si nous n'avons pas là-bas, nous pas intelligents. Il faut nous tirer dans la tête. Hein? Nous, tout là, deuxième, c'est spiritual intelligence, Mathieu. Il y a une relation avec existential intelligence. Mais spiritual intelligence, c'est une dernière intelligence qui nous fait découvrir, qui tout le monde est là. Et pas veut dire tout spirituel dans le sens religieux, ça. Hein? C'est pas du tout ça. C'est une place dans nos cerveaux qui s'appelle le God Module, que tu réfléchis d'une façon que tu as une croyance qui fait rentrer. D'ailleurs, ma thèse PhD travaille là-même, hein, comment on développe la force intérieure pour un entrepreneur, etc. etc. Et viens-tu te mettre un petit peu dans un petit peu existentiel, ça, là, comment l'éthique se rentre? Qui fait nous sentir nous bons du monde quand nous aidons du monde, c'est parce qu'il est plus existentiel. Mais tout est vraiment dans l'intelligence, là, hein, mais chacun est dans une certaine quantité, comment nous dire.
Et tout ça, on est capable de développer. Il ne faut pas qu'on ne plus nous pas linguistique, nous ne pas écrire un livre. Non. C'est un effet qui est pratique, ça nous cerveau assez élastique que nous apprenons à faire. Donc, le fait qu'il nous a 10 l'intelligence, on va appeler l'indéfense là parce que le talent qu'on peut tester. Et d'ailleurs, mon thèse, hein, mon équation prouvait qu'il y a un entrepreneur qui a une inner strength, ça veut dire qu'il y a la force dans lui, il est beaucoup plus réussi. Il vient d'un entrepreneur même en passant, il est beaucoup plus réussi. Par exemple, on va voir un émoi, un qui donne un certain belief, par exemple, on a les Aïda, il a envie de faire un business, des gens qui font un business, tout ce monde, famille, pour dire, tu connais Aïda, te permet de te vendre dans un business, ça, mais aussi, elle n'est pas pour moi aussi. Mais Zaïda connaît que les budgets, Inch'Allah, il peut c'est pas vrai, Zaïda? Samli, on y fait un petit business. Ou Vélita, on y fait un petit business. Les budgets, non, tu connais, bon Dieu pour être moi, pas vrai? Moi, je viens de beaucoup d'entrepreneurs, moi, je connais ça, business qui m'a là. Bon Dieu qui est de moi, ça. C'est un cadeau de Dieu, ça. C'est un gift of God, ça. Même moi, je suis athéiste, hein. On ne dit pas quoi, bon Dieu, je ne vais pas me dire, oh bon Dieu, je vais dire, oh, mais non, ça c'est une affaire qui m'a besoin de faire parce qu'il m'a une croyance, etc. Là-dedans. Mais c'est ça qui m'a besoin de dire, oula, il ne prouvait pas ce, ça. Oui, il y en a. On va pas revenir, c'est dans 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais justement, Nefla, c'est ça, sur l'intelligence, là. Hein. Dessin là, c'est un guide des 5 mois de gagné. Mais je calme, il y a plus ça là, il y a un tas de détails, il y a un tas de là. Neuf types d'intelligence là, le fait qu'il y ait un neuf type d'intelligence, ça veut dire nous pas capable de juste gauche droite là, vous avez compris comment je disais. Nous sommes pas capable de juste des affaires. Nous pensons dans un truc qui s'appelle whole brain. Nous avons multiple intelligence, ça veut dire nous servir nos cerveaux en entier pour nous réfléchir. Il y a un livre qui est écrit depuis assez longtemps par Madame Dr. Wonder, c'est qu'à Ehrman, même il fait un test qui est capable de faire. Malheureusement, Tesla vous êtes payé pour faire. Mais de capable de dire là beaucoup. Les gars testaient une organisation, même comment sur l'intelligence était. Ça m'a dit, vous êtes capable, lire si vous êtes intéressé, il y a available en Amazon ou bien. Maurice ne m'a pas trouvé, hein, j'ai besoin de cette idée en Amazon. Je vais comprendre qui m'a mis des autres là. Oui, Ronnie, vous connaissez Tony Einstein, toi. Je vais comprendre, je suis d'accord qui m'a mis des autres ou bien non. T'as pas dû. Vivek, qui devait dire? Olivier, d'accord? Jonathan, tu as essayé net, comment dire, concentré, méditation, tout ça. Véronique, qui m'a dit, votre fille? Il y a phone, ça, c'est ça. Ah, ça fait confusion, hein? Toujours dans le téléphone, trouvé, ça me dit bon. Pas de problème. Bon, la manière si est-ce qu'il dit nous, hein, nous passons bien de ce côté, nous servons, nous servons en général. Ça veut dire nous sommes capables de penser en termes de whole brain. Donc, première affaire qu'il y a pour les autres, c'est qu'il y a confiance dans eux-mêmes, dans eux-mêmes pensées. Nous avons confiance dans eux-mêmes pour être capables de faire ça. Je suis capable de lire l'eau et à man. Et tant pis l'internet, après, je peux un peu plus. Je trouvais qu'il y a beaucoup d'affaires qui nous causent le whole brain system. Moi, je suis connu avant. Hein. Il divise nous en quatre. Il y en a plus analytique, expérimental, relationnel, structurel. Pas veut dire autres différents. Hein. Peut-être un niveau plus dans secteur Ali. Mais il y en a les autres aussi. Nous tout pas pareil là. Hein. Nous tout pas égal, pote. Nous tout pas pareil. Mais capable un niveau beaucoup plus rationnel, un niveau beaucoup plus intuitif, etc. etc. Nous aussi, nous pareil. Ça. Nous sommes capables de connaître donc, la force nous, maintenant et nous servir ce côté-là pour nous capables de développer une idée. C'est même qui nous permet le processus. De penser, non? Nous avons créé une bonne idée. C'est nous qui avons créé une bonne idée. Nous avons créé une bonne idée, pas vrai, Florence? Y a une question là pour l'instant, non? Exactement. Doué dans différentes façons. Moi, je disais tout là, nous tout bonnes zénies dans les affaires là. Hein? Nous tout bonnes zénies dans les affaires, c'est moi, nous ne connaissons pas. X-facteur, hein? Nous allons redire. Oui. À partir de aujourd'hui, moi, les autres réfléchissent dans la façon-là. Je suis capable d'une façon analytique. Ça veut dire que je ne pas quoi on faire facilement. Quand je get une news, il ne faut pas nous prendre pour granted. Nous devons réfléchir d'une façon analytique.
Nous besoin d'une façon critique. Nous besoin capable de dire, attends, si ça pas vrai qui fait. Comment, hein? Nous besoin tout le temps poser une question. Jamais nous quoi sans nous douter. Hein? D'ailleurs, hein, on prend la religion, je pourrais réaliser que tout le prophète qui vient nous relater là, c'est un prophète qui s'est douté ça. Jamais tu believe, comment tu dis, monde? Si tu believe dans un Dieu, Paul, hein, jamais tu peux être un prophète, parce que pas tu peux gagner de nouvelles affaires, de nouveaux messages. Hein? Dans toutes religions confondues, s'il vous plaît. De bandits qui doutent, douter après de quoi, hein? C'est get Moïse ou get dans la religion hébraïque, et ben, etc. etc. Hein? On va prendre dans l'ordre. C'est de baser le ban. Je vous avais un peu comme moi. Je suis capable de tout à fait d'une façon rationnelle. Bien sûr, d'une façon stratégique pour penser, après nous, pour que ça donne une autre session. Comment je suis capable de penser à long terme? Et comment je suis capable de vraiment faire créativité dans le business à travers une méthode qui s'appelle design thinking. Pour aller ça, IBM, il a inventé une affaire, une méthode qui s'appelle Observe, Reflect and Make. Ça veut dire nous, pour nous capables de faire nos business développer, nous pouvons être capables d'observer nos business dans le real world. Right? Nous pouvons être capables d'observer nos situations. Pour nous capables d'observer, ça veut dire nous comprenons. Observer, ce n'est pas guetter ça. Hein? Observation, c'est sortir dans un système là, pour guetter le système là. Et il y a beaucoup de business qui m'ont besoin. Hein? Dis-moi, là, il est dans son magasin, grand matin, tantôt. Right? Il mangeait la même. Quand il y a un client, il est sur Facebook. Quand il y a un client, il est sur Facebook, etc. etc. Il n'est pas sorti dans ce business, Zameli. Il connaît, il y en a sur le banc pour mener des pieds dans l'aine. Ce voisin, ce n'est d'aller au cargo, de venir, messieurs, il y a voyé ce cargo, etc. Ça veut dire qu'il y a 6 heures qu'on va la faire. Au fait, il reste dans ce système. Il n'est pas pu observer. Observer, c'est sorti dans le magasin, il y a un coup, si pas, ou bien repeindre le flow. Il va faire, comment dire, il va déclarer un client, pour là. Il un client dans la même compétition, il dit, comment on va l'accueillir? Bon, c'est des autres fois là, ça. Quand on a consommé à partir de l'autre fois là, nous faisons consommer comme un entrepreneur. C'est ça qu'appelle l'observation. Nous pas qu'à l'acheter en affaires sans parce qu'il nous faisons un ligament. Qui fait mon pièce sans nuit là, là hein? Qui fait mon pièce? Si moi je suis dans un domaine là, qui va prendre de nuit là sur marketing? Qui fait la boîte céréale, la peine sa couleur là? Qui va faire avec mon packaging comme vous vendez gâteau? Moi? Qui peut apprendre sa packaging là? Qui m'a fait mon apprendre là pour qu'à servir dans mon business? Pas oublier, nous sommes un entrepreneur, nous pas fonctionne comme tu dis maintenant. Donc, observation, c'est sortir dans le système pour guetter le système. Deuxième affaire, vous êtes capable de réfléchir là. Je te dis à l'autre fois là que vous avez gardé une diary, premier jour d'une semaine, c'est day one. Gardez une petite diary et pas oublier, gardez l'habitude dans chaque semaine de prendre rendez-vous avec vous-même. Je t'invite vous-même à boire un café avec vous. Et je te réfléchis là, qui va une observation de faire. Si mon cash loop et commence à avoir un problème, je remarque mon business, je ne vais pas casser parce que mon fournisseur, parce que mon cash loop et un problème, je vais besoin de prendre l'eau. Non, non. Non, pas nécessairement. Car pas besoin de trop beaucoup de crédit. Car moi, j'ai trop beaucoup de stock. Je vais besoin de faire une promotion là, mon stock. Etc. Mais ça fait qu'il peut arriver à l'intérieur du business qui peut créer un problème. Mais si nous pas observer que nous réfléchissons, nous pouvons avoir un moyen facile. Nous pouvons prendre l'eau. Nous pouvons l'endetter, nous. Je vous dis, compétition. Bon Dieu, Pépini, moi. Marguerite Maraz, qui a une planète pas bien alignée. Enfin, nous pouvons faire toutes ces bonnes affaires. Sans nous réaliser qu'au fait, nous ne pouvons pas passer observer, réfléchir dans nos systèmes. Ça, c'est la créativité, ça. Hein? Et bien sûr, l'entrepreneur, c'est un monde qui fait quelque chose arriver, ça. Nous faisons make things happen. Vous connaissez trois qualités du monde, là, hein? Et la qualité du monde qui make things happen. Et il y a une qualité du monde qui dit à vous comme moi, let things happen. Laisse-les arriver. Il faut calmer. Et il y a une troisième qualité du monde qui dit à vous, what happened? Il n'est pas même connu qui n'est arrivé. Quand tu es arrivé, hein, qui est arrivé là. Entrepreneur, il make things happen. Right? Donc, quand il observe, il réfléchit, il est capable de faire des affaires arriver. Et surtout, quand il fait cause innovation, il est capable de faire des affaires qui vraiment différentes pour mettre une valeur au client. Creative process, même affaire, hein, il fait. Observe, reflect and make dans notre contexte. Il y a deux façons, l'eau là. Et en fait, il y a trois façons. Hein. Premièrement, nous avons une façon divergent thinking. Ça veut dire que nous pouvons penser, nous laissons maximum l'idée venir dans nous la tête. Après, nous sommes capables de convert thinking la solution. Right? Et il y a une autre façon appelée lateral thinking. C'est un peu plus technique, mais comprends qu'il y a deux façons que nous sommes capables de servir.
Quand, par exemple, nous avons un problème, nous faisons une brainstorming session dans nos bureaux, ou bien entre nous-mêmes avec nos familles, nous divergent, nous laissons maximum l'idée venir. Après, nous apprenons chaque idée, nous commençons à filtrer les, nous convergent les solutions qui visent. Donc, des types de pensées, si nous appliquons, nous observe, reflect and make, nous trouvons qu'il nous façon de penser pour commencer à changer. Écoutez, ça m'a fait là. Les bons connaissent ça. Mais si nous pas fait les examens, nous prenons qu'à appeler un. Je vais expliquer comment conduire le Dieu. Mais si jamais vous êtes assis devant un volant, conduire le Dieu. Je ne sais pas vous connaître. Je vais vous donner un coup de nager. Mais si vous passez deux dans la mer pour nager, jamais je vous connais. Je vais vous faire ça. Hein? Je vais vous dire, là, peut-être comment se réfléchir. Je vais vous faire vraiment. Et ça, il y a des effets séquentiels. Hein? Je vais trouver qui divergent, convergent, il peut diverge, il peut converge. Il prend les temps qui bizarre. Jusqu'à ce qu'ils soient capables de connaître ce qu'ils ont fait. Par exemple, j'ai envie d'avoir un nom pour ce business. J'ai envie d'avoir un logo pour ce business. J'ai envie d'avoir un nouveau produit pour ce business. Ou bien j'ai envie de faire un business même. Il ne peut pas se passer à cette séquence-là. Le fait que je connais une séquence, je connais qui peut arriver des autres la tête. Et le fait que je connais qui peut arriver des autres la tête, je peux contrôler. Je n'ai pas pour un loto qui peut rouler sans aucun frein ou bien aucun affaire. Et bien, par rapport à la circonstance. Et dans l'étude qui fait, il y a 10 personnes qui ont envie de faire business. Dans 10 personnes qui ont envie de faire business, un 10 personnes qui fait business. Qui fait ça, 9 personnes là, pareil ici, c'est parce que tout le temps, je peux réfléchir par rapport à la circonstance. Quand j'ai un problème avec le patron grand matin, je dis à cette bonne femme, tant que tu te connais quand même, il n'y a pas de business, tu te connais. Lendemain, le patron l'a rioli, il oublie. Quand il a la fin du mois, il get so bill, il get ça, il doit avoir un crédit, ça dit là, et il n'y a pas de business à part. Mais au fur et à mesure, il finit oublier. Quand on a une circonstance, une attaque, qui a envie de faire business. Mais franchement, jamais il fait business. Hein? Quand je viens, tu connais comme l'idée, mon avis, grand. C'est moi, jamais je gagne l'occasion. Au fait, non. Parce qu'il n'est pas plus connu. Il peut laisser être influencé par la circonstance. Plutôt qu'il connaît comment il peut réfléchir. Je t'apporte aujourd'hui. Il y a une promesse de vous faire même de vous connaître. Nous devons commencer à mettre un lot dans nos pensées. Je connais un entrepreneur, il n'a pas perdu le temps, je l'ai expliqué la dernière fois. Et pense ma pensée inutile, c'est perdre le temps. Une autre affaire, nous pouvons expliquer ça, ça s'appelle cognitive frame. Ça veut dire, quand vous avez une photo, il y a un framing autour, hein, non? Il y a un framing. Si vous ne mettez pas un framing dans une photo, il ne paraît pas fini. Pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous, ici, dans la tête, nous avons mal frames. Ça, mal frames, ça, depuis une année, créé ça. Par exemple, quand nous sommes petits, nous avons des gros, tu connais, et tu gros, tu paresses. Tu n'as pas qu'à faire mathématiques. Nous faisons un frame, nous mettons une photo là-dedans, mon gros, mon paresse, je n'ai pas qu'à faire maths. Bonne soirée, ça, tout le temps de la vie. Quand vous avez mes bons élèves, Prina, pourquoi dire moi, vous connaissez, je n'ai pas qu'à faire maths, mon Vikram, hein, parce que vous connaissez dans l'époque, etc. C'est parce qu'il y a un frame qui dit, où est ta photo là-dedans. Ben, dis-moi qu'il y a une photo là-haut. Hein. Ça veut dire que nous avons beaucoup de photos, nous. Bien, tu guides une photo positive. Si vous copain qui tue, parce qu'il y a où tu connais tes oreilles, tes oreilles qui te nénaient, mais aïe là, une photo, nous mettez là-haut. Vous gagnez complexe tout le temps de la vie. Nous, ben entrepreneurs, nous faisons capable de guider ces frames là, subconscient, il n'y a pas comment aller, il est dans subconscience, nous remettons nous en question. Oui, Ronnie, justement, tu faisais crier lié au fait. Pour réaliser comment les choses arrivent. Ça me dit, je connais un code, il y a des gens qui me disent, je ne fais rien. Code un petit diary. Nous faisons connaître qu'il y a un frame dans la tête. Et ça, un frame là, ça même qui définit nous la vie, ça. Hein? Pourquoi moi? C'est mieux pour la former. C'est parce qu'il y a un compère. Nous avons mieux un coup de bon enfant. Là. Ah, laisse un PDG, les pas les négatifs. Elle va te voir. Il y en a bien, bon, par rapport à nous, bon sens, ça qui nous trouvait, ça qui nous tendait, ça qui nous mange gâteau, là, il y a fait de nous la tête, ça. C'est pourquoi nous ne sommes pas contents de manger un certain gâteau, c'est pourquoi nous ne sommes pas contents de manger un certain légume, parce qu'il y a une information dans la tête qui nous donne nous ces affaires, qui est un paragraphe, comme on dit, dans la tête. Hein? Nous vivons nous-mêmes, nous, Yego, Stacy, Vivek, Béatrice, etc. Là, nous différons de chacun de nos camarades, c'est parce qu'il arrive nous en nous. Nous formons nous-mêmes, nous programmons nous la tête avec notre frère. Un entrepreneur, vous devenez créatif, vous êtes capable de sortir de la boîte.
Ça me permet thinking outside the box. The box, in fact, c'est une assumption, ce qui nous met dans nous-mêmes. Pas pour capable faire, me trop tipti, me peine à casse, me mal né, me parent tout le temps battement, etc. En tout cas, tes raisons, c'est des boîtes de assumptions. Excuses, exactement. Pour nous capables, aussi en dehors du boîte, moi, je dis, en dehors du boîte, il y a une expression bien commune. Nous faisons cette boîte la même. Nous faisons remettre nos assumptions en ordre. Comment nous faire, hein? Ça, que nous gagnons l'idée qui vient nous de connaître, tu n'es pas capable, tu as gagné quoi, assumptions, là? Vous connaissez, nous fonctionnons nos assumptions, nous, hein? Si vous gagnez la guerre, hein, ben, qui nous voyez ici, je vous connais quand vous gagnez la guerre avec votre monsieur. Vous faites 90% d'assumptions, là. Zamélie n'est plus content, moi, avance pas qu'ils soient. Il y a un dimoun désordre, whatever raison. C'est mon assumption qui vient faire nous gagner la guerre avec dimoun. Et nous sommes capables de retirer cette assumption, ça, comme un entrepreneur. Qui fait mon petit désordre, ça? Parce que, quoi, moi, hein? Ben, business qui pas grandi, au cause de je te remplis avec assumption. Je te remplis avec assumption. Compétition trop fort. X raison. Et mon madame, ben écoute-moi. En fait, tu as des raisons, ben excuse, mon bien dire, vous n'êtes pas fait à affaires. Par exemple, nous, là, nous parlons de Dimaco, ça, même en passant. Hein? Et quand nous faisons, nous donnons une méthode qui s'appelle design process, design thinking. Pour nous rentrer dans le design thinking, nous devons comprendre qu'il y a un moment dans la vie, nous avons des skills, nous avons des skills, nous avons des compétences dans la vie. C'est un skills là par rapport à un challenger skill, non? Il peut développer une certaine émotion dans nous. Par exemple, si vous connaissez un gâteau, vous connaissez bien, vous connaissez bien un gâteau, si vous avez des clients, ça fait banal. Ce skill, c'est pour highly, hein, les gens. Ce skill, c'est pour highly. Mais vous prenez le challenge. Vous avez fait un petit peu de logistique pour moi. Sans problème, non, qui soit, hein, il y a des problèmes de connexion, apparemment, Maurice. Donc, c'est le skill for, et tenez le challenge. Pour board. D'accord? Vous vous sentiez ou plein? Oui, Estelle, il y a beaucoup de problèmes apparemment. C'est pas nous, hein, c'est la connexion à Maurice apparemment. Par contre, si tu as beaucoup de chat, tu as beaucoup de skills, mais tu as un high challenge. Hein? Si tu as une mathématique avancée, mais tu as une équation intéressante, tu prends un qui appelle flux. Nous sommes dans le flux ici. Nous faisons des affaires. Non, non, non. Nous ne pas attendre quelqu'un appelle nous, par exemple. Nous ne pas attendre quelqu'un appelle nous. Nous prenons la musique jouée, etc., etc. Pas vrai? Je nous arrive à cette situation-là, quand nous pouvons faire des affaires, nous pouvons concentrer, nous prenons des affaires autour de nous. Monsieur, nous devons passer par ça. Après ça, c'est flou. Hein? Après ça, c'est flou. Il est bien difficile de tenir ça. Ça, monsieur, ouais. C'est peut-être d'un rage, peut-être te reconnecter. Normalement, quand tu as un problème, elles sont bien reconnectées. Donc, ça flot là, hein? C'est là que nous venons créatifs. Par exemple, si je peux dans ces skills, et bien, je vais un examen pour être allé là, je vais anxieux. Par contre, si je peux dans ces skills, et bien, je vais un effet qui n'est pas intéressant, je ne peux pas casser la tête à partir. Donc, nous fonctionnons comme en tant qu'un humain. Enfin, simplifié là, hein? Nous sommes capables de réaliser que nous faisons développer un skill dans nous. Un skill. Et nous avons un challenge qui est assez fort pour nous capables d'être créatifs. Si vous avez comme moi, je n'ai pas de moi 5 idées à peu. Là, ça quand même payé moi 1000 roupies. Oh, Dieu, ça a l'air. 5 idées originales. Nous avons c'est le coup là. C'est toujours une idée originale. Parce qu'il challenge là fort. Ou bien ça qui est moi 5 idées originales, vous donner 1000 roupies. Un seul coup trouvé pour le réfléchir pour gagner une idée super originale. C'est parce qu'il. Il vient un challenge qui est intéressant. Pareil dans votre business. Il fallait pas, si je trouvais que vous êtes beau dans votre business, ou bien vous êtes anxieux dans votre business, ou bien vous n'êtes pas intéressé au business là, alors regardez ce map là. Regardez comment je vais augmenter le challenge là, ou bien apprendre encore comment je vais faire là, je vais augmenter le skill là. Moi, je peux apprendre qu'il soit depuis une zone, non? J'ai besoin d'un docteur Narchedi, Guiris. Il y a 12 dimensions pour jouer un autre encore là. Moi, j'espérais après ça 12 semaines là. Ce skill peut définitivement changer. Et quand ce skill change, ce n'est pas ce 32 mots d'homme. Il y a un challenge dans ce. Je ne peux pas vraiment être dans cette situation de flow. Ça, il est étudié par un monsieur qui s'appelle Mihaly. Je ne peux pas trop dire le mot là. Il est étudié créativité même. Les.
Non, Danraj, que toi qui as ce problème-là. Et il étudie qui fait un chirurgien créatif, qui fait un enfant créatif, qui fait un mécanicien créatif, etc. Et il découvre ça a fait vos petits là. Pas besoin de lire les livres, c'est technique. Mais je suis capable de challenge plus de skills et de marcher ensemble. Par exemple, quand je joue au football, hein, c'est un monde qui joue au football bien. Vous allez jouer avec ce gosse dans un ordre. Il n'est pas pour intéresser trop lui. Par contre, vous mettez l'île dans la plaine pour que ce soit un camarade. Il faut plus intéresser. Pas vrai? C'est-à-dire, c'est un challenge pour pousser tout le temps. Un entrepreneur, il challenge lui-même tout le temps. Lui, hein? Tout le temps, il challenge lui-même, pas oublier ça. C'est un peu même affaire dans un petit peu plus de détails. Que nous peut situer nous, mais pas oublier. Si tu ne pas challenge nous-mêmes, jamais nous peut être créatifs, jamais nous peut être innovateurs. Tu es d'accord dans tes questions? On va nous bouger. Excuse-moi, hein, moi, je fais que faire une classe avant, un petit peu fatigué aujourd'hui. Mais. Quelle question, Véronique, Gaëlle? Qui est encore dans le groupe là? Laetitia, Rita Marie, tu as des questions, ma fille? Kessica, Stéphanie, là, joli, joli, non, dans un pays, là, Damini, Sudoshan, question? Madame, les autres passes, là, Rita Maria, Jérémy, Gaurav, tout ça, là, tout clair, après la question. Bonjour, enfant, hein, la question, Stéphanie, question, ma fille? Charlie. Bien bon, allez. Limite ça, il y a. C'est un mauvais état. Alors, je n'ai pas besoin de sa question. Ruining, c'est un mauvais état. Cette façon de réfléchir, c'est quand même une bonne idée là. Nous guettons un petit coup. Elle nous a fait capter design thinking. Elle nous a fait bien pour autant. Écoutez, design thinking, quand on va prendre à l'université, c'est trois modules ça. Hein. Si vous faites engineering, si vous faites architecture. Et même qui fait design, graphic design, cela. To get rid of creating a frame, c'est beaucoup plus de Molière. Hein? Molière. C'est une technique de self-awareness. Ne pas ça ici, c'est une grosse affaire, ça. Je vais voir comment nous quantifions le frame, ça. C'est un gros travail, nous-mêmes. Hein? Bon, design thinking, ça nous pose en 10 minutes ici. Pas veut dire nous pouvons nous capter design thinking, mais nous pouvons introduire les pour ça. Hein? Premières affaires qui nous faisaient comprendre, nous qui sommes entrepreneurs, nous ne pouvons pas être créatifs, ni innovateurs, ni un niveau qui est performant si nous la tête fatiguée. Il y a un rapport qui est écrit de Maurice, 80% d'un entrepreneur Maurice est dans casualty mode. Ça veut dire que je demande une situation. Oui, bien sûr, tu auras les des recordings après Ryan. Hein? Dans une situation qui est difficile, ça veut dire que tu es stressé. Il y a un problème cash flow, il y a un problème de dette, il y a un loan, il y a un goût. Enfin, tout ce qui a des problèmes. De ta tête fatiguée, est-ce que vous croyez que vous êtes capable de venir créatif? Quand vous êtes fatigué, vous êtes créatif? Au contraire, pas venir créatif du tout. Si vous êtes créatif, vous venez dans un créatif différent, il est dangereux. Ça veut dire, zut, premières affaires. Dans l'autre, oui, je dois être fatigué. Regardez si je demande un peu noir là. Demain, nous occupons de la place, pas la place là, donc. Nous sommes capables, nous, comme quelqu'un dit, là, une vraiment bien dire, nous sommes prendre une idée, nous mettons ça dans notre papier. Transférer ça qui est dans notre cerveau, nous mettons dans une page. Right? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un grand thème, ça, hein? Mind mapping, concept mapping. Tout cas, mapping est là. Hein? Oubliez ce grand thème là, c'est tout simplement prendre la tête ou écrire les liens. Mon camarade, là, il peut faire l'agriculture. Il dit, moi, tu connais la cour, pas qu'il vient de manger affaires. Alors, il peut fatiguer sur la tête. Là, mon petit, tu connais, tu peux travailler dans un cas de sécurité, là. En place volée, un coquin, tu manges les légumes, ou pas, un coquin, tu manges les légumes. Tu as besoin de réfléchir en termes de sécurité, hein, c'est cool. Mettre une fence dans un tisane, là, et quand on peut mettre une fence là, il y a un système qui mettait pour pas venir, hein, il y a un affaire électrique, parfois, soit il y a un affaire chimique qui mettait. Vous comprenez parce que qui fait ça, si tu en as sur la tête pendant une semaine, il me fatigue sur la tête. Lui. Il n'est pas réalisé qu'il peut faire sécurité. Si tu prends, il mettre l'eau papier, il peut trouver que le problème là, c'est sécurité sous ordre. Qui ne court pas, qui est oiseux, qui volait.
c'est sécurité des ordres, ce bande de guim. Si les mettent un papier, ils trouvent les. Après, c'est un mind map. Le crée de ça qu'il y a dans la tête, il y a pour nous résoudre en termes de catégorisation. Pareil, si nous la tête, il y a un gros code qui est mélangé là, nous ne pouvons pas. Nous devons mettre en node, pour nous connaître comment ça peut passer. Pareil, c'est une librairie, comme vous êtes, une librairie, il y a un tas de livres là-dedans, pas vrai? Si vous avez un livre là, on a des autres. Vous connaissez comme les livres qui livrent en billets, vous pouvez même connaître, oublier. Par contre, si vous avez un livre là bien installé dans ce band, par ordre alphabétique ou bien par ordre de thème, facilement, vous pouvez y aller, pas vrai? Le CRV aussi, pareil, c'est une machine. Ça. Mais t'as l'autre, je peux réaliser qui? Là, je suis capable de plus comprendre. Et pas, il y en a beaucoup plus de problèmes qu'à résoudre, qui pas qu'à résoudre. Hein? Donc, nous avons tendance à avoir un problème maudit. Hein? Oui, problème. Un problème maudit, qui ça veut dire ça? Pas un problème go wrong. On a beaucoup de problèmes de connexion. Hein? Merci de quand même faire l'effort. Un problème qui maudit, c'est un problème qui peine à apparaître, peine à solution. Qui a une complexité derrière. Qui a beaucoup de causes, par exemple, qui demande un changement dans nos behaviors même, hein? Qui demande un gros changement dans nos behaviors, et surtout, qui nous pas connaît que de piale. Oui, il y aura un record d'ailleurs, hein? Il y a M. Achop qui fait un record et il va vous donner ça après. Donc, de toute façon, il n'y a que des photos ici, il faut écouter même pour comprendre ça. Donc, si nous arrivons à une situation qui est un wicked problem, c'est seulement une condition, c'est un encore plus simple de simplifier ici, que tu n'as pas. Que dans un élément, un certain élément, il y a un problème, il paraît vraiment compliqué. Comment nous résoudre ça? C'est nous, nous faisons comprendre les affaires. Il y a deux façons réfléchies, enfin, deux, trois façons réfléchies, mais nous considérons qu'il y a deux à cette là. Business thinking, il y a nous qu'on a un problème, nous avons une solution. Nous avons un problème, ça veut dire là, nous, si l'affaire peut tomber, la COVID, nous ne pouvons pas faire d'affaires, nous foutons du monde dehors. Nous mettons du monde dehors, alors nous problème pour résoudre, cache-le. Au contraire, nous service KABC. Imaginez que KFC met du monde dehors, quand on va aller attendre beaucoup de services baissés, il y a plus de problèmes. Par contre, il évolue sa façon de penser là. Nous mettons une autre affaire qui s'appelle design thinking. Design thinking n'est inventé par un monde. Au fait, c'est un design de même, au fait. L'initiative qui prévient les affaires pour résoudre un problème, vous êtes capable de mettre empathie là-dedans, c'est-à-dire understanding. Pas oublier, nous, entrepreneurs, le centre de nos business, c'est nos clients. Nous faisons comprendre nos clients avant. Quand nous commençons à comprendre nos clients, nous empathisons, c'est-à-dire nous rentrons de ce soulier. Nous mettons qui peut arriver, là, c'est-à-dire nous là. Quand nous finissons comprendre ça, quand nous rentrons de ce soulier, nous pouvons avoir un problème. Les LA nous développent une solution qui nous testait et encore une fois, nous remettons ça understanding là début. Qui fait, il y a un peu plus détaillé, tu as l'air de trouver. Comment nous trouvons les mondes? Comment nous sommes capables d'apprécier l'humain? Comment nous sommes capables de comprendre ce feeling, emotional intelligence? Et comment nous sommes capables de communiquer ce understanding là? Font partie dans le problem solving équation, hein? Dans l'équation pour résoudre un problème. Nous allons mettre ça côté humain là-dedans. Si nous ne pouvons pas mettre ça côté humain, alors les points d'affaires trop rationnels, les points d'affaires à long terme. Pas oublier, nos business, en fin de compte, c'est de donner un service à un monde. Quand nous pouvons venir nous snack, il n'est pas venir, il pas envie de venir nous, il est fin. Nous pouvons accueillir les, il peut sentir les welcome, il peut sentir que le paiement aux affaires que nous, il est hygiénique et les hygiénique, les value for money, bien sûr. Mais ce n'est pas juste manger là qu'il vient chercher. C'est pourquoi du monde dans le restaurant étillé, tout ça là, hein? Et quand on se met fait dans l'étillette, dans une autre place, qui fait qu'il y a là-bas, c'est parce qu'il peut fonctionner d'une façon émotionnelle plutôt que rationnelle. C'est pourquoi M. Jonathan, pour mettre 35, boire une JT, un petit café dans un café luxe. C'est quand même ni que de bazar aux îles, là-bas, c'est pas un café. Bien sûr, conséquence pas pareil. Hein? Figaro, diamant, oui. Donc, pour nous capables de résoudre ce problème-là, nous devons vraiment comprendre ce que d'une façon humaine. Et ça, design thinking, là, il y a nous, c'est ça. Understand, explore and materialize. Je trouve que l'idée est venue là, c'est le troisième élément, ça. Nous sommes capables de comprendre nous liquer un petit peu plus. Comment nous sommes capables de comprendre nos clients, comment nous sommes capables de définir ce problème et comment nous trouver l'idée pour résoudre ce problème-là d'une façon que. Dis-moi là, quand nous résoudons le problème là, c'est nous résoudre d'une façon pas de ce côté pays affaire, mais ce côté émotionnel. Nous, tu ne fais l'expérience dans le magasin, nous pas content réel là-bas encore, pas vrai? Parce que voilà, nous dérange, ben, dis-moi, nous attendons ça.
quoi, des magasins ou des rangettes. Et tu ne fais à l'expérience. C'est parce que ça dit, on a zamin en dos, je suis yé. Zamin, tu connais quand on peut faire des lins pour Tifi. C'est un plaisir qui vous peut faire aux enfants, là. Si vous faites aux enfants rire. C'est un plaisir, ça. C'est pas une affaire qui. C'est pas connu, moi, qui vous perd un lins, là. Non. C'est sur l'anniversaire, c'est un souvenir qui pourrait se donner deux pendant un million l'année. C'est vrai? Et tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quoi vous dérange parce qu'il vous perd un lins. Vous connaissez un dimoun dans flac, un dimoun dans certaines situations, qu'il amène ses enfants à manger KFC. Vous connaissez un dimoun pour y aller manger KFC, il travaille, il ramasse au casse, etc. pour y aller manger KFC. Imaginez un dimoun qui vient dans KFC, il y a un mauvais accueil. Malheureusement, heureusement, il y a un bon accueil. Ouais, manger KFC paraît banal, peut-être, vous êtes, mais ce dimoun-là, c'est un plaisir qu'il promet lui-même pour donner ses enfants au. Ces enfants, je ne sais pas, pour aller manger un KFC. Mais si vous comprenez la façon là, si vous travaillez dans côté, côté airline, si vous voyagez, ben hôtesse de l'air, hôtesse de l'air Emirates, il y a un élève là, en tout cas, pour une, quand vous avez des autres, Emirates, des autres, comme moi, on dit aux avions, nous payons bien, nous traitons bien. Mais dans l'avion, je bande servante. Dans l'avion, je bande servante, je bande slave. On dit au avion, c'est la reine, mais on dit au avion, c'est la slave. Ça dit, mon qui peut voyager là. Par quoi, il est facile, car il y a un saving tout le temps l'année pour y aller à Dubaï. Car il y a une économie sur la vie pour y aller à Dubaï. Car il y a des parents qui sont décédés. Car il y a besoin de ses enfants qui n'ont pas besoin pendant 10 ans. Donc, vous êtes traité comme un humain. Et vous avez des services là où tout service est comme ça, c'est pas vrai? C'est tout pareil. Si nous ne mettons pas ce côté humain là dans nos systèmes, nous ne pouvons pas résoudre le problème là d'une façon que pour être positif. En passant, avec ça, innovation, ça. Hein? Façon, je peux réfléchir là, pour tes audits. Ils sont aimés, espérer depuis 3 heures. C'est une façon innovative de penser. Le client est roi, comme Aurélie me dit, mais pas oublier, ce n'est pas la reine Aurélie. Hein? Il ne faut pas faire tout ce que le client demande. Donc, premièrement, nous faisons quand même un lot dans nos pensées. Des points d'affaires bien, mais si, mais nous ne faisons pas contre eux. C'est une summary de ce qui m'a dit. Nous avons empathize, nous sommes capables de define, nous sommes capables d'ideate. Moi, je suis capable de cahier, je vais faire une recherche plus slow design thinking. Il y a un coup qui est donné sur Internet. Et je m'a dit, c'est un MOOC. Gratuitement, je vais suivre un coup. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur la page Facebook, des gens qui ont une tonne de vidéos qui étaient déjà. Et pour que je développe ça, design thinking, vous allez dans la tête. Après, le coup de design thinking, pour le marketing, oublier, nous faisons business, nous sommes capables de market sense, nous sommes capables de sentir qui peut arriver dans ce marché. Là. Si je peux vendre flair, si je peux faire l'un, si je peux faire, je ne peux pas me quitter dans mon business, dans le marché qui m'a été, qui peut arriver actuellement? Est-ce qu'il y a des affaires qui peuvent être capables d'être résolues? Est-ce que le client a fait marquer une petite chose là? Comme on gagne ces affaires-là, bien sûr, là, on gagne un problème pour résoudre. On commence à mettre ça process de product development, là, non? Au service development. Que mon service est techniquement déjà là, là. Design thinking, counterfactual thinking. Ce qui est une cause, là, il y a une autre, ça, mais j'espère que vous pouvez comprendre. Vous avez service à des outils, là, dans toute la tête, pour être capable de trouver une solution. Et bien sûr, quand solution, là, il faut qui continue de tourner, ça. Continue de tourner. Vous êtes capable d'amener tout le market. Je ne veux pas amener tout le market, bien sûr, je ne veux pas donner une value added. Donc, ça, quand nous faisons marketing, c'est un marketing que je dois définitivement les causes. Alors, on va un petit détail là. Hein. Quand nous causons avec un entrepreneur, parfois, je dis, on a compétition forte. Tu connais compétition, prix de baisser, je vais faire ça, je vais rentrer dans mon secteur, etc. etc. Un entrepreneur, il va dire comme moi, pour me combattre la compétition, je vais être innovateur. Si je peux vendre Briani, comment je peux vendre? Je peux vendre 100 roupies, je peux vendre 75 roupies. Je peux dire, je vends 70 roupies. Mon voisin commence à vendre 60 roupies. Je commence à vendre 50 roupies. À un certain moment, je peux donner Briani à deux. Parce que la compétition fait l'esprit. Par contre, si je peux vendre Briani 75 roupies, là, moi, je fais vendre Briani, je vais venir demander takeaway. Un peu plus pratique, moi, quoi. Hein? Soit moi, c'est une autre qualité des affaires là-dedans, qui pas brille l'estomac, pareil, comme un store deck, soit des enfers.
qui arrive, mon pays innove mon produit, l'emplace, mon pays baisse mon prix. L'emplace, mon rentre dans la compétition, mon pays fait innovation. Qui est capable d'innover ou qui a gardé le prix pareil? Quand on a innové, le prix est capable de venir d'implicer. C'est pourquoi Coca-Cola, encore Coca-Cola, hein, il innove pas dans le produit là, mais il innove dans le marketing. C'est pourquoi on va acheter café pour boire un café luxe. Innover dans ce contexte atmosphérique. Bans enfants, là, moi, je dis ça, quand j'étais à Stanley's de Bagatelle, bans petites filles à Stanley's, Jennifer de Bagatelle, je ne sais pas si c'était, ou bien Mango. C'était si on a un Mango dans Bagatelle. On a un Mango sur magasin. Bien sûr, pas bizarrement, non. Quand on a un lens dans le Haman, qui est là-bas, c'est super ça, 4 000 roupies 500. Quand on met dans l'homme, il n'est pas pareil, non? Il n'est pas trop pareil. Mais parce qu'il ne fait pas ce magasin-là, il n'y a pas de façon de décorer ce magasin-là. Ça veut dire qu'on innove loin des affaires pour acheter les gens. C'est ça qui appelle l'innovation. Parfois, nous pensons l'innovation à la technologie, cela, pas vraiment. Hein? C'est façon de penser même qui fait nous une innovatrice ou innovateur. Nous avons un problème pour résoudre, nous avons un frame qui nous cause, mais pas bien, nous avons un space. Problème space, besoin égal solution space. Beaucoup de fois, on trouve, par exemple, une menuiserie, hein, un menuisier, vous connaissez ce secteur-là bien, hein, parce que moi, je suis là-dedans. Vous avez dit mon cours là-dedans, hein, mais quand je suis là-dedans, bien plus en termes de temps, il y a un problème de customer service. Ça veut dire, dis-moi, là, je vous connais, comme là, moi, la porte est virée, moi, la porte est une traverse. Hein. Mais il est là, il peut investir dans la qualité du bois, il peut résoudre le problème là. Mais il peut arriver au corps. Ce mec peut venir plisser sans qu'il monte ce prix. Solution là, il peut, à long terme, mais il n'a pas survivre. Vous êtes un menuisier millionnaire, vous êtes? C'est un tailleur qui est millionnaire, non? Vous êtes trop, hein? Et non, hein? Pas Maurice, c'est moi. Pas Maurice. Il y a un bien petit guide, Maurice, mon gars, Jésus. Bien petit guide. Mais c'est moi, bien beaucoup de gens qui ne sont pas des millionnaires sur la zone. Ouais, t'es quoi le pain de menuisier en passant? T'es quoi, c'est monsieur White Line, de con White Line. C'était White Line, ça. Il y a la ligne fait, t'es quoi? Mais il n'y a pas de menuisier, lui. Non, il y a des coups de temps, mais pas quoi, il connaît, comme ici, là. Mais c'est moi, il connaît faire business. Non, il n'y a pas qu'un coup de temps du bois, peut-être, mais il n'y a pas qu'un servir de machine pour couper un bout du bois, technique. Mais il connaît faire business. C'est tout ça que je veux dire. Problème space et que solution space est égal. Quand je peux résoudre le problème là, sur la tête, pas oublier, bien capable de faire une value added, c'est-à-dire pour le client et aussi pour vous, pas qu'à résoudre un problème ou perdre casse, ou bien au client, pas gagner value qui disant. Je vais assez vite là parce que je vais dans les temps, je vais en retard. Innovation en lui-même, depuis une zone, nous avons innovation en passant là. Hein. Mais si nous introduisons le mot, vous êtes, d'après une bande dernière récite de faire, il m'a sport à ce système-là. Même la culture d'un pays, influence l'innovation. Si vous êtes lié au Sud-Corée, si vous êtes lié au Japon, si vous êtes lié à la Suisse, si vous êtes lié au bon pays qui est vraiment avancé, dans le côté innovation, même Israël, vous pouvez réaliser que la culture de ce bon pays-là, il définitivement influence l'innovation dans le pays. Je vais mettre une vidéo. Oui, Gaël, tu auras tout par PDF, ça. Hein? Tu es dans la page, Gaël, non? La page de Facebook? Non. Si tu veux joindre la page, tu peux t'aider à faire ça. Il y a toutes les informations là-bas. Si tu es sur Facebook, ce n'est pas obligatoire. Hein? Sinon, on va essayer de t'envoyer par mail. Oui. La culture d'un pays est bien importante pour capable d'innovation. Et si je pensais que la culture mauricienne influence l'innovation, ça présente. Oui. Oui, je non. Pas vraiment. Ça so get get index innovation à Maurice, nous bien bas. Exactement, si vous avez. Dépend de région, mais innovation en lui-même, nous paye dans l'IA Maurice. Je ne sais pas si un fax qui est là, un disque qui fait. Madagascar est innovateur qui nous a parce qu'il ne nous quitte pas comme innovateur. Pourtant, on a beaucoup de recherches qui font. On a l'occasion de jouer à l'université Maurice, enfin, les trois affaires que tu peux causer. Que dans beaucoup de recherches qui font l'agriculture. Par exemple, il y a un white mushroom qui servit contre
anti-cancer, il y en a fait qui appellent dans Grenade, ça fait blanc, blanc, là, là, qui ont découvert, qui dit, il y en a fait qui anti-diabétique. Mais nous ne connaissons pas, nous. Nous ne connaissons pas. Quelqu'un peut mettre la page de Facebook sur le chat. Il y a quelqu'un qui me demande ça, Béatrice. Jonathan, tu es là sur la page, non? Mets le link, hein, que, voilà, merci. Merci, Vedita. Donc, la culture est importante. L'attitude de l'entrepreneur est très importante. L'habitat où tu peux rester, ou la case même, ou parce que tu travailles. Est-ce qu'il fait la créativité fonctionner, ça? Quand je suis dans l'école maternelle, je suis dans l'école maternelle, je vais faire ça, setup, ça va nous en faire jouer, lui montrer où qu'il est créatif. Là. Par contre, quand on rentre dans l'école primaire, la table bien installée, droite, droite, carré, carré, quand on rentre dans le bureau, il n'est plus créatif. Ou bien, follow man orders, c'est pas vrai? Donc, façon où on organise le bureau, il définitivement fait living créatif ou pas créatif. Et bien, ressources, bien sûr, et connaissances, ça que nous pouvons partager aujourd'hui. Il écrit à Mme Christina Selig, qui est un expert dans l'innovation. C'est un livre, des trois livres qu'il écrit, hein, par Me, Innovation Engine, Inside Out. Et il fait beaucoup de conférences online. Il y en a beaucoup de sur le YouTube, de capable de downloader. Je t'apprends un peu plus qu'appelle ça, ça, ça modèle qu'il a créé. Comme il y a ça, ça fait là. Si tu te fais une compagnie, viens comme ça. Tu crées une culture d'innovation. Tu crées l'attitude de demander qui travaille avec eux. Tu demandes des ressources et tu demandes des causes. En passant, c'est un coup que je vais donner, là, que je vais prendre là. Pas oublier pas ça, c'est que je vais prendre ce que je vais. Que c'est que je vais prendre, mais que je vais prendre 35, que je vais prendre. Pas ça, c'est que je vais prendre. Correct? Faire ce business, c'est comme ça. Créer un environnement, quand tu as sa formule, là, définitivement, business, ça va être créatif. Il y a différents types d'innovation. Right? Et il y a 10 au fait. Parfois, nous avons dit innovation de ce produit. Il y en a 10 qualités qui marchent dans 3 affaires. Un, c'est pour le produit là-même, offerings. Un, pour l'expérience qui est un produit là. Et 3, pour configuration. Right? Je ne vais pas préciser dans le détail, malheureusement. Mais dès qu'il dans ce business, si tu es là, ou bien je vais faire un business, prends ça dessin là. Comment tu peux pas faire? Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de l'exemple. Par exemple, quand on a du branding, je trouvais qu'il manque Hugo Boss, il manque Coca-Cola. Même une marque Samsung, ça là, ça servit beaucoup en brand. C'est la marque qui fait Uma aussi. Profit modèle, par exemple, Facebook. Vous avez Facebook, vous êtes payé, non? Jonathan, vous payez quand vous avez Facebook? Ah bon? Mais comment Michel a mis millionnaire? Clarisse, vous savez quand vous payez quand vous avez TikTok? Je ne paierai pas servir, c'est moi. Figaro, vous avez TikTok? Donc, peut-être que vous voulez TikTok, mais dans cette chose-là. Mais comment avez-vous un ami millionnaire? Balancer. Hein, ou danser le TikTok. Non. Pas fait non rien. Mais comment TikTok est millionnaire? C'est parce que je peux vendre. Vous faites TikTok et vendre hein? C'est juste le produit. Il y a un casse à travers le banque. Ça s'appelle profit modèle ça. Donc, un qui est un coup, comment je suis capable d'observer ça? Qui donc qui est capable d'innover pour nous capable de développer le business en termes de configuration, en termes d'expérience que les clients ont gagné avec nous. Et surtout en termes d'offering. Par exemple, channel, de tout channel ici, là, c'est eBay, ça. eBay ou acheter, mais on vient gagner en ligne. C'est ce logistique qui fait les vins fort. Par exemple, l'expérience, par exemple, customer engagement, c'est un peu Nescafé, Nespresso, parce que c'est Nespresso. Il fait aucune expérience là-bas, engagement. Quand on va dans un café luxe, quand on va dans un magasin, un truc qui s'appelle Starbucks, à l'étranger, à Maurice, dans un café luxe, dans un des autres affaires là-là. Parce que là-bas, c'est l'expérience. On peut pas boire un café là-bas. Hein? C'est une expérience que vous payez. C'est vrai? C'est ça qui peut vendre. C'est ça, c'est l'innovation. Pas café. C'est l'innovation. Là, c'est ça l'expérience que vous gagnez. Là. Donc, réfléchissez-le à 10 façons qu'à innover là et surtout appliquer dans votre business. Un autre modèle qui montre aux autres comment la technologie est au fait. L'innovation, au fait, dépend de l'entrepreneur qui vous sent. L'entrepreneur, dans un modèle là où il est là, collapse. C'est-à-dire, je suis pas l'entrepreneur, nous-mêmes, qui nous a qu'à créer l'innovation dans un pays. Je n'ai pas qu'à dire au gouvernement, pas faire non, rien, les temps pas bons, whatever, hein, destin pas bon, ce n'est pas qui, non, non. C'est nous qui besoin créer une circonstance que l'innovation vient. C'est pourquoi ça passe, ce qui nous crée là, un groupe qui nous crée là, 110 moun, mais maintenant, puisqu'il y a 110 moun là-dedans, c'est une la fausse. Demain, nous allons créer un mémorandum. Demain, si je suis dans, moi, je suis dans l'aquaponics, je suis dans l'aquaculture,
dans un certain secteur, nous avons 20 personnes, pas 30 personnes ici, nous avons un gouvernement qui ça. Nous avons vu un expert étranger, japonais, qui vient de nous un cours, mais c'est le gouvernement qui fait affaire. Parce que nous avons pas bien le Maurice, nous signons beaucoup de contrats avec les autres pays. Nous avons 10 personnes qui viennent de nous, pas nous, aujourd'hui, d'ailleurs. Expert qui n'a pas besoin de venir au Zoom, même si nous avons un cours spécialisé pour cette affaire. L'entrepreneur qui fait que ce soit arrivé, les affaires pas arrivées sans entrepreneur. Et zut là, comme on dit zut, nous faisons make things happen. Nous avons fait ça en secteur, pas là, Maurice, enfin, c'est un domaine d'innovation là, mais beaucoup plus à Maurice. Bon, ça dit ce là, là, on met dans l'année, pour être capable d'amener un changement dans notre business, ou bien un changement dans notre même si on veut faire un business. Et pour ça, comment ça va passer, hein? Il y a, vous êtes capable de créer quelque chose, vous êtes capable de collaborer, vous êtes capable de confirmer pour l'immersé, pour sortir d'une normalité, pour être d'un new normal. Un new normal là, vous avez fait une plus compétitive qu'avant. C'est-à-dire, si en 2020, tu es dans la compétition, quand tu es dans la COVID, on réussit à faire un website, on réussit à faire des vidéos pour gagner un paiement, on réussit à deliver dans COVID-19, après COVID-19, on garde sa plateforme là, on continue à vendre online. On vient compétitif pour avoir les autres gens. Ou tu vois, tout le monde sur les games, tu vendais online dans COVID. Mais après, ils disparaissent parce que tu n'as pas une structure qui garde sa système là, qui confirme le système là. Réfléchis là. Et surtout, après, on va réaliser les autres. Après, on va réaliser les autres. Innovation, simplement, c'est quand on invente des affaires et on est capable de vendre les. Pour revenir à ce qu'on a fait l'autre fois là, opportunité, nous mettons le client au centre. Je te rappelle, moi, c'est vrai. Une opportunité existe si il y a un client qui a besoin des affaires. Cette innovation, cette idée, nous sommes capables de résoudre le problème de ce client là. C'est un peu l'exploitation, ça. En mot plus simple encore, invention, c'est prendre cas, se mettre dans l'idée, c'est prendre cas, c'est mettre ressources, faire vivre l'idée, c'est-à-dire tous les jours, faire réfléchir loin de l'idée, mais c'est où que vous faites au business, ou faire où l'idée vient casse. Monsieur Zuckerberg, quand je suis dans son université, il se fait réfléchir comment on fait une plateforme pour besoin de son camarade universitaire. Il se fait beaucoup de l'énergie là-dedans, hein. Il se fait travailler, il se fait faire une programmation pour lui faire un effet qu'appelle Facebook. Quand Facebook est créé, l'idée là, commence à faire vivre casse, bien casse, il est milliardaire, hein, de toute façon. Je te séparer. Comme M. Sourat, tu peux réfléchir comment il peut faire vendre souvent les games. Il peut mettre beaucoup de ressources, l'énergie, pour lui gagner l'idée. Mais aujourd'hui, souvent l'idée est une man brown. Hein? Il y en a food lovers, cela. Il y a 6 heures, food lovers, fait des gains casse. Seule idée fait où il gagne casse. Seule idée travaille pour lui. Donc, invention forme une idée, c'est où travaille pour l'idée, mais avec le temps, l'idée là, vous commence à travailler pour commencer à gagner casse. Est-ce qu'il est clair? C'est un espèce de summary, nous pouvons aller là, hein, nous pouvons finir. Monsieur Da Vinci, nous, pour le vie créatif, nous sommes capables de connect the unconnected. Pareil, comme on disait tout à l'heure, à Poula, pas tient peu. Algeté qui va ne faire pas qu'à connecter ensemble. Par exemple, moi, fan flair, moi, mais qui ne suis pas capable de l'emplacer de flair, c'est pour moi, me faire flair pour baby shower, me faire flair pour funérailles, me faire flair pour me faire connecter encore. Ou divorce. Connecté par des affaires connectées. Moi, j'ai une affaire. Parfois, nous avons une innovation dans le monde moulin, nous avons un pire. Laisse-moi donner deux, trois exemples. Je fais tous la case, quand je fais, je dis pas tous ce matin. Beaucoup fois, il brille, non? De pas qu'on est quand il finit cuit. Pas vrai? Mademoiselle Roini? Je ne pas qu'on est arrivé, non? Mais il y a un monde qui pense là. Vous connaissez quand vous faites dîner, hein, dîner dans petit bag là. Vous êtes un petit bout de papier, vous faites un petit peu de gaspillage. Quand vous cuisez spaghetti, vous ne pouvez pas vous misérer. Pas vrai? Quand vous avez des épices, c'est un gros problème. La table à cuisine est pleine d'épices. Mais il y a des gens qui réfléchissent là. Quand vous mangez spaghetti, par exemple, vous mettez dans vos fourchettes. Il n'est pas coulé, il n'est pas tombé. Il est tombé, non? Mais il y a un problème, ça. Mais il y a des gens qui réfléchissent là au problème devant le consommateur comme nous. Mais j'ai une très bonne affaire. Par exemple, un toaster invisible, transparent. Par exemple, un spaghetti qui va mesurer là-bas, un petit bague en métal, mettre de l'huile dans le plateau avec un système pareil, et que ça, tu fais cette qui me fait spaghetti pas couler là. Donc, parfois, l'innovation, c'est très, très simple. Très, très simple, ça. Il ne fallait pas nous compliquer nous, la vie, on va faire compliqué. Plus nous compliquer, plus il va y avoir une innovation. En fait. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, bons enfants. Alors, prenez l'examen de faire mon montre de temps et appliquez-le dans votre business.
For example, one could visit, get a could visit one trainer or one gym. Then si madame là où met les pieds ou faire un exercice soit disant. Dis-moi n'a pas besoin de corps là, vous connaissez corps, dis-moi c'est ça. Mais ça dis-moi n'allez pas corps là comment jouer. Faites attention que vous faites dans les doigts là c'est non. Et tu si vous un photographe, vous pouvez faire corps visite comment lens. Un bague, vous pouvez pas faire des affaires comment. Vous comprenez, il y a assez simple ça. Quand vous avez des bandes d'affaires qui créent dans leur marketing, vous gagnez beaucoup l'idée, ben dis-moi créatif qui fait ça. De t'as de payer pour être créatif. Ça a déjà fini une bonne idée, mais je vais périr là. Ce qui me fait des jeux, là, message du jour. Michel Ange, c'est un grand dimonza, un grand artiste en la Renaissance italienne. Il était un sculpteur. Il me dit où dans sa rose qu'il voit le sculpteur là. Est-ce qu'il a déjà dans les papiers sculptés en statue. Les statues-là, des annonces, là, ils peuvent juste tirer une place au dos pour les gagner une statue. Qui m'a dit, je suis là, je suis pareil. La créativité est dans je suis là. Tirer une affaire qui bloque, là, pour que je sois créatif et innovateur. C'est ça que je peux rouler là, là, au fait, il y a un danger. C'est ça que m'a dit, content creators. Ouais, ouais, c'est même affaire. Hein? Content creators, c'est fonctionne un peu le design thinking, même ça. Design thinking, il y a fait une autre chose. Tu vois, normalement, tu inventes ça pour faire architecture, mais après, il y a appliqué dans le business, etc. Moi, je suis un camarade. J'ai besoin de designer un new toothbrush. OK? Dans tout cas, bon, c'est dans ça, toothbrush là, bien. Si j'ai besoin de faire un nouveau toothbrush, vous avez millionné avec ça. Qu'est-ce que je peux faire pour faire un nouveau toothbrush? À le réfléchir, je trouve. Puis je fais simplement l'exercice banal, banal là. Un nouveau monde, un nouveau qualité de chaussette, un nouveau porte-monnaie, un nouveau plume, un nouveau moteur. Je développe l'esprit d'une façon que. Faites comme un game. Qu'est-ce que je fais enfants? Qu'est-ce que je fais mais nous avons fait un nouveau toothbrush. Qu'est-ce que tu penses là? Bien sûr, ta routine nous a pensé très, très bien d'ailleurs. À le réfléchir. Vous êtes capable de garder ça l'exercice intellectuel. Il y en a qui de questions en passant? Non? Vous pouvez venir, il y a qui de questions, plus. Dans un petit peu de temps. This game, Russ, les rues, bien passé une coûte WD40. Prina, OK, for me. C'est une bonne question. Bon, mais. Obligé de me dire encore une fois. Et pas oublier, ce que nous peut dire là, c'est this man photo loin slides. Si nous pas appliquer, ben jamais nous sommes capables de venir en réalité. Hein. Nous sommes capables de réfléchir, garder alive dans la vie, comment dire. Merci, hein, beaucoup de gens me disent merci. Pas besoin de dire merci. Moi, me dire merci, c'est quand je te précise, nous précise sens du pays. Tu auras les slides après. Hein. Allez, tu as une question ou bien non? Je me laisse floor à M. Ashok. Merci. Je dire merci un peu. Hein. Donc, je ne connais pas évident de la part de tout le monde. Je ne connais pas évident. Tu as animé une session avant. C'est la classe avant. Révin fait une session de 2 heures de temps. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, mille fois merci. Donc, merci de la part de tout le monde hein, qui a accepté à animer 2 sessions. Et j'espérais vous poser une question. Est-ce qu'il me tient content pour Vikram encore une fois pour une prochaine session? Oui. Avant de poser question là, mais déjà une réponse là. Mais néanmoins, on pose question là. Donc, certainement, nous avons l'occasion de trouver Vikram encore une fois. C'est 2 sessions qui n'animaient pour nous. C'est 2 sessions extrêmement enrichissantes, beaucoup de choses à apprendre. Mais comment nous dire, comme avait quand même si bien dit Ali, la finalité, c'est mettre un concept, l'idée qu'il nous partageait en pratique, donc, pour qu'éventuellement nous sortions après ça pour un peu plus éclairé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, bien sûr, si nous avons envie de lancer une entreprise, nous prenons beaucoup plus l'idée, nous avons beaucoup plus connaissance dans le domaine qui permet nous. Démarre sur une bonne note. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Vikram. Donc, certainement, nous avons l'occasion de trouver une prochaine session.
La quatrième session du point animé par une autre personne. Donc, qui pour là, donc c'est jeudi aujourd'hui. Donc, la prochaine session, c'est lundi pour ça. Donc, quatrième session, c'est lundi. Donc, d'ici là, pour répondre à ma question, ouais, nous pouvons mettre toute une vidéo, toute une session qui nous répond, nous mettons dans YouTube, plutôt qu'à l'occasion, nous déjà en a trois. Donc, soit demain ou bien au courant du week-end ou bien lundi, nous pouvons mettre. Donc, nous avons l'occasion, et tout ça va session-là, encore une fois, si vous connaissez, on dit qu'il y a pas mal de problèmes de connectivité. Donc, nous avons le temps de catch-up un petit peu à travers sa bonne vidéo que nous promettez dans une différente session. Donc, encore une fois, merci. Merci, Vikram. Merci à tout le monde. Prenez les temps pas trop bons. L'appli, le ras, un peu partout. Mais néanmoins, on trouve au moins 101 participants, 101 jeunes qui restent connectés jusqu'à la fin de la session. C'est déjà une preuve que la session est extrêmement intéressante. Donc, bien sûr, nous pouvons entamer la suite avec beaucoup plus de confiance. Donc, merci, bonne soirée et à jeudi. Comment channel YouTube que vous appelez Pardon? Pardon? Le qui channel YouTube que vous appelez une vidéo, là, s'il vous plaît? Au fait, nous avons YouTube pour le ministère. Nous pouvons vous communiquer tout ça, Manchester, parce qu'il y a un collègue qui travaille là. Malheureusement, on n'a pas besoin de nous aujourd'hui. En principe, c'est ça qui m'était aujourd'hui. Mais nous pouvons communiquer sur ça. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. OK. Donc, si vous avez des questions, peut-être rapidement, mon cas, on lit. Donc, et puis, là, nous... Oui, parce qu'il y a un petit peu de temps, 5 minutes. Oui, j'ai de la question, soit de l'organisation, soit de la session d'aujourd'hui, ou bien... de sa trois sessions qui nous déjà fini vers là. Donc, allez-y, nous pas quelques-uns. Et puis, nous pas congé de ouais, monsieur le ministre, bien sûr. Nous profitons de l'occasion pour dire également, nous commençons la formation en période de confinement. Nous prévoyons pour sa formation-là également au moins un ou deux workshops. Donc, en présentiel, donc nous avons envie de jouer nous autres en personne parce qu'il est important. Même si la session passe extrêmement bien, et comme vous êtes d'accord avec moi, une session Zoom avec une session présentielle face-to-face, c'est deux choses complètement différentes. Donc, il est extrêmement pénible et difficile pour la personne qui anime, aussi, avec comme vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il déserte pour continuer de poser à lui-même. Il est beaucoup plus compliqué, qu'il a de faire une session face-à-face. Ouais. Mais c'est pourquoi nous prévoyons qu'il nous faut faire deux sessions, à plus une ou deux sessions en présentiel, quand nous pour, peut-être nous quatre en deux batchs, une centaine de participants, quand nous capables de faire un élément, un aspect de l'entrepreneur qui ne pas gagner le temps ouvert. Et puis, prendre six autres éléments de suggestion de un topic qui j'ai envie, qui nous ça, qui nous prend en bord. Donc, feel free, envoyez-moi une message. Envoie-moi un mail dans ce sens-là. Donc, pour qu'il nous capable de prendre tout ça. Donc, c'est sûr que M. Vikram, il est impossible pour que tout le entrepreneuriat pendant 12 sessions. Extrêmement impossible. Donc, bien sûr, de faire votre travail, faire votre recherche. Ce n'est qu'un eye-opener, c'est mon cas à dire. Hein? Et puis, je dois faire votre recherche. Agrémente ce qu'il nous a déjà fait faire dans cette session-là. Mais, toujours est-il, si c'est une bonne suggestion, un thème, un topic que j'ai envie, qui nous a abordé de cette session-là. Donc, bien sûr, feel free, envoyez-nous dans la mesure du possible, nous pouvons inclure l'île et peut-être nous pouvons faire l'île dans ma session qui nous pouvons faire en présentiel, ça veut dire dans mon workshop. OK? Mais ça, nous pouvons venir peut-être dans au moins deux ou trois semaines. Peut-être la situation sanitaire aussi peut évoluer positivement. Donc, il est capable de permettre nous joindre parce que là, il est impossible, moi, quand même, puisqu'il dit Zimon. Donc là, nous sommes capables de prendre un nombre encore plus important. D'accord? Alors, une ou deux questions, et puis nous terminons la session. Si possible, on est disparaître, moi, tu penses d'y aller, on va trouver une question là. Ce carré, mettez, s'il vous plaît. Donc, vous pensez que tout est bon? Combien de sessions il nous en reste? En principe, nous devons avoir 12 sessions, donc... 12-13 sessions, nous avons déjà fini faire 3, donc nous pourrons 9 sessions. Grosso modo. Si
Je pense que c'est bon. Sinon, même si vous avez une question, je suis capable de revenir avec cette question-là dans la prochaine session. Donc, encore une fois, merci, bonne soirée et à lundi. Au revoir. Merci, bye-bye. Merci beaucoup. Bye. Merci, monsieur Ajok. OK. Merci, au revoir. Allez, bye. Bye-bye. Merci, au revoir. Merci, merci. Merci, au revoir. Bon appétit, mangez bien.